De retour du coup pour cette finale, Twin, du coup, ce tournoi de la 5e saison de l'Ultimate Décathlon. Donc, quels sont les jeux que nous allons avoir pour cette finale et quels sont les runners? Mais je suis impatient de voir ça, puisqu'en premier, on a Quake pour la première fois, oui! Ça va être trop bien, pour plein de raisons, mais vous allez voir, ce speedrun est absolument incroyable. Et quel que soit le niveau des runners, je pense que ça va être fantastique. On va avoir donc d'abord Quake et ensuite SteamWorld Dig qu'on connaît très très bien, qu'on a vu depuis l'UD1 et qu'on a beaucoup vu en tournoi, et il y a deux jeux, je pense, qui vont être extrêmement marquants pour toute la suite de cette UD, parce que c'est des jeux à rebondissement avec énormément de choses à faire pour Quake, avec énormément de choses à gérer pour SteamWorld Dig. Et pour les runners, dans l'ordre, nous avons Devil Tiffin qui est premier pour l'instant, Cute Shadow 2ème, Draconis 3ème, Kushas 4ème, et ensuite on a KTH 5ème, FrapZC 6ème, Taker 7ème et Stifler 8ème. Il y a là-dedans des runners qui ont Quake à plus ou moins haut niveau, et il y a des runners qui n'ont jamais touché au jeu, j'ai l'impression qu'ils sont en train de l'installer. Ouais, tout à fait. Donc on va regarder par exemple Kushas du coup, qui est lui, si on regarde son Quake, on voit un magnifique vide. Du coup, ce sera sans doute une complétion. Le jeu n'a pas encore été appris vraisemblablement, et un 24-59 sur SteamWorld Dig. Donc on va être assez vite fixé, sachant Kushas, c'est quelques petite complétion il va faire, parce que, rappelons-le pour le coup, un Kushas qui est donc actuellement à 540 points, il n'est donc pas sur le podium, mais une complétion, il faut savoir que ce sera peut-être pas le seul. C'est bon, il connaît le premier épisode, il nous dit dans le chat, et le premier niveau de l'épisode de Ouah là là, il pourrait menacer, il pourrait menacer les gens qui sont... C'est normal, hein, c'est la transition Penta A, Penta B, donc il y a des runners évidemment qui se qualifient en tournoi sans connaître certains bouts de jeu. Pas de problème, la question c'est qui d'autre va pas avoir Quake. En tout cas, avec minimum son étoile de papier, je pense qu'il va au moins maintenir sa deuxième place au classement étoile. Ensuite, on a KTH, du coup, 9ème au classement étoile, donc il va pouvoir grimper les places aujourd'hui grâce à cette finale. Sur Quake, il a une belle bulle aussi pour le coup, donc ça c'est plutôt intéressant de voir ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas encore travaillé, peut-être qu'ils ne se projetaient pas en finale. Et un 24-42 sur SteamWorld Dig, le même profil que Kukushas, j'ai envie de dire. Le même profil, et il est juste derrière à 538 points, comme on peut le voir, 2 points derrière Kushas. Avec le même profil, ça risque d'y avoir une grosse tension entre les deux. Effectivement, même si la 4ème place ou la 5ème place ne sera récompensée de la même manière par une étoile de papier, il faut réussir à avoir le meilleur classement possible. D'ailleurs, on aura un arc-en-ciel d'étoiles pour l'UD6, avec chaque place aura une étoile, une couleur différente. Oui. Ensuite, on a Stefler, du coup, 12ème au classement étoile, donc il a encore des choses à jouer grâce à cette finale. Donc on sait d'ores et déjà qu'il aura une étoile de papier, il va bien progresser. Et encore un profil, j'ai envie de dire, strictement le même profil. Un 190-0, c'est classique. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est le bon temps sur SteamWorld Dig, sans être un gros temps de grinder, c'est un très bon temps. Et la belle bulle sur Quake, sachant que, comme on peut voir, Stefler pour l'instant 502, donc par contre... Profil identique, mais en plus grande difficulté, puisque c'est un tournoi cumulatif que Kushas et KTH. Ben ouais, malheureusement, même si Tifa faisait 0 points aux deux, il faudrait quand même déjà qu'il fasse 143 points pour rattraper. Donc ça risque d'être extrêmement délicat d'arracher un podium pour Stifler, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne par rapport aux autres. Ensuite, on a donc Draconis, oulala, là on n'est plus tout à fait... on a un profil assez différent, on a un SteamWorld Dig moins bon que les autres joueurs à 26-20, mais on a commencé à travailler le jeu, on a une complétion 40 points à Quake, donc là tout de suite, c'est vraiment plus... on n'est plus dans la même catégorie, j'ai envie de dire, il y a des gens qui ont déjà soumis leur complétion, jeu très difficile, et Draconis, rappelons-le, par contre, lui est 3ème, il est devant Kushas de 24 points, et donc 26 points devant KTH. Mais en même temps, c'est à relativiser, car 40 points de complétion, qu'est-ce que c'est? Effectivement, ouais, 40 points de complétion, Kushas nous a signifié qu'il connaissait une trentaine de points de complétion, 32 points de complétion avec épisode 2 niveau 1, donc il y a quelque chose à jouer. Ils sont à peu près tous autour des 200-210 en PB, SteamWorld Dig plus Quake cumulé, donc ça risque d'être de se jouer entièrement sur SteamWorld Dig en fait. Ensuite, on a Taker là, voilà, tout de suite... C'est en fait le même profil qu'avant, en plus poussif. Il est encore un peu moins bon sur SteamWorld Dig avec un 27-17, mais il a une complétion 60 points sur Quake. Je m'en casse la voix tellement je suis surpris. Ça veut dire qu'il a maîtrisé déjà, il maîtrise les deux premiers épisodes. Sauf si, évidemment, nous nous permettons de rappeler quand même que s'il est autorisé au championnat de faire, évidemment, pour faciliter le grain, de faire les épisodes dans le désordre, en tournoi, vous faites les épisodes dans l'ordre, c'est-à-dire épisode 1,
puis épisode 2, puis épisode 3, puis épisode 4. Je me permets de le rappeler, mais la difficulté pour Taker, ça va être comme Stéphleur, c'est 506 points, risque d'être compliqué. C'est une grosse pénalité, là. Il part avec un désavantage. Effectivement. D'ailleurs, très important, hein, donc vous faites les niveaux dans les épisodes dans l'ordre. Si vous vous trompez, il faudra ressortir de l'épisode et aller rechoisir l'épisode correct, hein, on insistera là-dessus. Mais on observe quand même que tous ces runners dont on a montré les fiches, la somme SteamWorldig plus Quake est constante entre les 200 et 220 points, c'est assez précis. Ouais, c'est assez fou. Donc après Taker, nous avons FrappZC, FrappZC qui nous a dit a priori qu'il a... qu'il a un meilleur PB Quake, il a fait une meilleure complétion je crois récemment, donc là on est sur le coup sur quelqu'un qui risque peut-être de progresser dans cette poule. Il a un bon temps, comme on le voit, presque un 190 sur SteamWorldig et une complétion 74 points sur Quake, sachant que FrappZC est pour l'instant du coup 6ème, quelques points devant Taker Stéphleur. Il a quand même pas mal de retard sur KTH. Donc... ouais, mais en potentiel il a une 40-50 points d'avance sur Draconis, donc je pense que FrappZC, s'il a bien travaillé Quake, s'il fait un bon SteamWorldig, il pourrait passer 3ème en fait. Ensuite nous avons, voilà, peut-être, enfin, parmi nos deux favoris, les gens s'inquiètent déjà dans le chat parce qu'on voit pas la fiche des favoris, ils sont tout perturbés, ils s'impatientent. Quoi qu'il en soit, nous avons Qt Shadow, un 28-04 sur SteamWorldig, c'est-à-dire un score compte tenu du niveau global de cette finale un peu faible. Cependant, attention, là, on a enfin quelqu'un qui a terminé le jeu dans les temps. Twin, on a un 22-36 pour un total de 120 points, sachant que Qt Shadow, pour l'instant, est à 604, c'est-à-dire belle avance sur Draconis, mais du retard sur Tifa. 270 points potentiels sur la somme des deux, c'est vraiment très très bien. Ça, je pense, rien que la fiche lui confirme absolument la première ou la deuxième place. Voilà, donc bonne chance pour tout le monde et Qt Shadow. Et enfin Tifa, du coup. Tifa, donc un 23-43 sur SteamWorldig, ainsi qu'une complétion 93 points sur Quake, c'est-à-dire il a quasiment fini le jeu dans les temps. Sachant que Tifa est pour l'instant à 645. Donc j'aurais envie de dire Tifa peut-être... vraiment, il y a peut-être que Qt Shadow qui peut l'embêter, mais il est peut-être même favori. Il est favori, il a 40 points d'avance, et en somme de PB, il a 20 points d'avance, donc il s'assied sur 60 points théoriques. Moi, je pense qu'il est imprenable. On verra ça tout de suite en stream, mais en tout cas, Quake plus SteamWorldig, ça vient tout de suite. Devil Tifa pour sa 5ème étoile d'or. Je tiens aussi à remarquer que Kouchas a fait toutes les étoiles noires possibles de la saison jusque-là. Il a 16 étoiles noires. Peut-être que ça va débloquer un truc sur une fiche. Hein. On vous a peut-être c'est pas ça. Tout dit. Hein. La grosse étoile noire. La grosse étoile noire. Les joueurs, ils seraient trop contents. Ils seraient trop contents. J'ai la grosse étoile noire. Ouais, c'est trop cool. Donc, quoi qu'il en soit, on va se regarder du coup le clip de la prochaine épreuve qui est donc Quake. Qui est donc Quake. Je vérifie que j'ai mis le bon... Oui, j'avais un petit doute sur le fait que j'ai... Que c'était le bon jeu. Donc du coup on continue avec cette BO de Quake, on se regarde le petit clip pendant que les runners se préparent et la race devrait démarrer juste après. Retour du coup, la race Quake devrait démarrer dans quelques instants. On va du coup regarder nos runners du coup qui se préparent. Il reste encore un petit peu de temps en le départ. Alors Quake du coup, c'est un jeu qui va être... donc là, a priori, de ce qu'on a vu des PB, très peu de gens termineront dans les temps. Donc ça va être un petit peu du combat de complétion. On va voir un petit peu ce que font les runners. Mais en tout cas, ouais. J'espère que tous les runners ont bien pensé à afficher leur petite icône pour indiquer où est-ce qu'ils en sont, afin qu'on puisse bien suivre l'action.
Mais c'est vrai que c'est un jeu, on va le voir, je pense, sur tous les écrans, très, très technique, énormément de skips un petit peu partout. Et sans ces skips, c'est impossible de finir dans les temps. Et sans même maîtriser ces skips, c'est impossible de finir dans les temps. Donc ça va être normal de voir des complétions. Et moi, je pense que même c'est un jeu dans lequel ça serait normal de voir des complétions jusqu'en grande finale, quoi. Ouais, je pense qu'à la fin les gens sont dans les temps, parce que quand même il y a des runners quand même qui disent qu'en fait les 100 points, donc terminer dans les temps, ça se fait quand même très très bien. Mm-hmm. Bon, vous pouvez enlever un trait parce que les runners ça se fait. les runners mettent beaucoup d'emphase, donc ça s'entraîne sur les strats durs, ce slope jump justement sur lequel s'entraîne Tifa. Effectivement, vous allez voir, il y a beaucoup de techniques dans Quake, c'est découpé en 4 épisodes que les runners vont faire dans l'ordre évidemment. On voit que Tifa du coup a mis ses icônes. On va dire, attention, les autres runners, ce serait pas mal de mettre les petites icônes pour que les spectateurs s'y retrouvent, même si du coup les différents mondes en fait on les sépare bien quand même, parce qu'on revient dans le lobby. Donc là il faudra faire du coup, il y aura tout un tas de techniques, hein. Le nombre de techniques est juste hallucinant, entre les rocket boost, les rocket jump, les grenade boost, les grenade jump, les barrel boost, les slope jump, le bunny hop, les speed jump. Globalement, il y a une seule grosse technique, c'est faites-vous exploser pour aller plus vite. C'est quand même beaucoup, beaucoup ça. Ouais. Et c'est surtout ça qu'on reste de voir à ce niveau-là. On va avoir très peu de bunny hop, je pense. Il y a une technique principale de déplacement, c'est on va plus vite quand on, au lieu de faire tout droit, de spammer les droites et les gauches, donc de faire des mini strafes. Et donc c'est ça que font les runners en continu pour se déplacer. Allez hop, c'est parti. Moi je vais surtout me focaliser sur un seul écran parce que j'ai peur que tout suive d'un coup, ça soit incroyable. Quelque chose à noter d'important déjà, c'est la vie. En bas on a la vie comme sur Doom, notée entre 0 et 100 en général, ça peut monter à 200 quand on prend une grosse caisse, et il faut absolument pas mourir, et cette vie descend très très vite. Les petits ennemis qui vous sautent dessus font 50-60 dégâts, donc on peut littéralement se faire one shot par à peu près n'importe quoi. Cependant on est en easy, hein, pour faciliter l'apprentissage, c'est la catégorie classique en tout cas. Il y a souvent que deux difficultés renées sur Quake, c'est easy et nightmare, ce qui est logique. Et là, vu que le jeu est déjà très dur, on a décidé pour cette saison de mettre easy, et c'est une bonne décision, je pense, parce qu'il y a déjà que c'est dur. Non, c'est impossible. Sinon, en fait, déjà, toutes les techniques de déplacement restent. On a juste moins d'ennemis qui vous gênent. Les ennemis ont une énorme hitbox, mais elle est vraiment impossible. Et les ennemis vous gênent énormément. Donc, au début, on voit déjà pas mal quand même les mécaniques de jeu. Ça ressemble beaucoup à un Doom, mais on peut sauter, et c'est énormément clé, monstre, porte. En gros, on va trouver la fin. On récupère de la vie quand on peut, et ensuite, on se dirige tranquillement vers les sorties en essayant de pas mourir. En tout cas, ça se passe bien pour le stand Q-Shadow et Tifa qui passent au niveau 3. Là, on va arriver, on a récupéré du coup le lance-grenade qui va nous permettre du coup de faire des grenades jump. C'est pour ça que dans les premiers niveaux de chaque monde, cette technique elle est trop sciée. Alors 4 coups de shotgun pour le timing, et ça passe pas. Directement, on passe en backup. C'est ça qui est très très important dans Quake, c'est savoir quel strat on tente et à quel moment passer en backup. Et souvent la règle, c'est dès que vous ratez un truc, vous passez immédiatement en backup sans réfléchir. Ouais, donc vraiment, on rappelle quand même que d'épisode en épisode, les armes, tout revient à zéro. Ce qui fait que là, vous avez une continuité dans le routing, on va dire, dans les armes que vous récupérez sur les, du coup, 7 premières missions. Et dès qu'on passera à la mission 2, du coup, on repartira à zéro, pire, hein, avec les armes de base, en gros. Donc c'est parti. C'est vrai que beaucoup de skip potentiel, bien connaître les backups, bien connaître aussi du coup les backups de vie, parce que en fait, comme son nom l'indique, on se prend des dégâts pour faire des boosts, et effectivement si on se rate, on va perdre plus de vie. C'est très serré entre Q-Shadow et Tifa pour l'instant. Ils sont vraiment dans le même ascenseur en même temps, ils vont finir leur troisième niveau vraiment quasiment synchro. Voilà. Kouchas un tout petit peu devant Draconis, ils sont très serrés. Normalement Kouchas va avoir aucun problème à finir le premier épisode. Petite armure cachée ici, beaucoup de secrets, hein, ça, dans les structures, ça ressemble vraiment à Doom. Voilà. Oh, et Tifa qui réussit le grenade jump pour récupérer la clé ici. Ouais, il est pas mal. Il y a une technique encore plus rapide mais que nos runners feront pas. Mais ouais, c'est vraiment bien d'avoir déjà réussi cette unique grenade jump du coup de niveau. Le reste va être assez classique. Ouais, beaucoup d'optimisation de trajectoire, beaucoup de routing. Le jeu est quand même relativement clément par rapport à un Doom. Il y a beaucoup d'endroits où le chemin est fléché à prendre. Ouais. Ah, on va pas faire le grenade jump chez Tifa, on va prendre le lance-roquette pour faire le grenade jump, qui foncièrement est plus simple, plus rapide une fois, c'est-à-dire qu'on l'a parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre la grenade. Donc petite perte de temps, et on va ici, du coup, on prend du coup ce passage, on prend cette clé, on va continuer. C'est un niveau assez riche, il y aura encore deux rocket jump après. On en fait soit un, soit deux, ça va dépendre de la vie qu'on a.
Voilà, on va en faire deux chétifs hein, en prenant la vie, ouais. Mais c'est raté. Pareil chez Cute Shadow qui passe et qui va finir. Qui va être devant, voilà, qui va finir juste avant Tifa. C'est très serré entre Cute Shadow et Tifa. Et rappelons que pour l'enjeu de notre race et de notre tournoi, attention ici, on a un petit rocket jump pour passer. Rappelons que la lave, ça one shot quasiment, c'est complètement ridicule. Sachant que c'est ça qui est rigolo, qui est intéressant, c'est que on peut faire en fait, quand il y a des fois les rocket jump et les grenade jump sont obligatoires, mais il y a des fois on peut faire ce qu'on appelle à la place des speed jump, c'est-à-dire que si vraiment on est un gros champion et qu'on fait des bunny up de folie, on va avoir une vitesse suffisante pour faire simplement avec un saut, donc sans prendre de dégâts, pouvoir passer. Mais c'est encore plus dur que le rocket jump, même si ça n'a pas l'air en fait. C'est beaucoup plus abordable de faire des grenade jump et des rocket jump que des... J'adore cette technique ici, dans le couloir, on tire une roquette au plafond pour se faire propulser plus vite vers le bas. Ça finit le premier épisode côté Cute Shadow et Tifa, c'est vraiment très très bien. On va attaquer directement l'épisode 2. C'est parti pour Tifa. À chaque fois, donc les... Oh, le petit saut de la rambarde qui passe pas chez Cute Shadow, qui Tifa, attention, rambarde, et ça rambarde, passe, ça passe chez Tifa. Donc Cute Shadow qui va être obligé de faire la backup, d'attendre que la barrière s'ouvre en tuant l'ennemi, ça va lui faire perdre pas mal de temps, il réessaye et ça passe pas du deuxième coup. Attention, attention, Cute Shadow qui va commencer à perdre pas mal de temps, les ennemis se stack, c'est un peu à la Hammer Watch sur le principe des ennemis Quake. Ah bah c'est ça, c'est qu'en gros après ils peuvent être positionnés de manière vraiment relou quand on revient, faut réussir. C'est pour ça que des fois il y a des backups qui consistent à tuer les ennemis simplement pour pas qu'ils nous gênent trop, parce que les esquiver c'est plus facile quand on va très très vite. Et en fait c'est quand on apprend le jeu, en général c'est pas la première chose qu'on apprend, on apprend déjà le routing ainsi que les rocket jump, et les ennemis on essaie de gérer comme on peut, mais ça demande vraiment un bon apprentissage aussi, ne pas se faire ralentir, car quand on construit une vitesse dans Quake, on voit même par exemple Cute Shadow qui des fois on sent de manière linéaire, on progresse petit à petit en déplacement, qu'on fasse du strafe, qu'on fasse un semblant de wall running ou du bunny hop, en fait on va du coup progresser petit à petit, à force de jouer on ira de plus en plus vite, et l'idée c'est de conserver cet élan justement. Une fois l'élan pris, on va faire des sauts, un maximum de sauts, parce que du coup ça va conserver la vitesse, on évite les frictions au sol, il faut sauter avant de toucher le sol pour être sûr d'avoir le bon timing, parce que le jeu est généreux, et on arrête de faire avant idéalement, et on se sert plus que des strafes, mais en fait c'est contre-intuitif, donc du coup... c'est plus dur qu'il n'y paraît. En tout cas, très très bonne série de trajectoires là pour Tifa qui set up un grenade jump. Ici, on va essayer de monter sur le toit. Il a un deuxième essai. 1, 2, ça rebondit, on saute. Ah, il s'est pris le toit. Ah, c'est dommage. C'est la panique là. C'est le suicide. Non, ah c'est... Oui, c'est le suicide. T'as raison. On recommence, c'est pas grave. C'est au début du niveau. Donc, le but ici, c'est de réussir à monter sur le toit avec un petit grenade jump. Le setup, c'est d'attendre que la. Grenade retombe. Et c'est réussi pour Cute Shadow. Ah, Cute Shadow très très bien, qui repasse devant Tifa. Et Tifa, j'ai l'impression qu'il est passé en backup directement. Ouais. Et ici, Cute Shadow qui tue les ennemis. Attention à la vie, ça baisse beaucoup. Et c'est fini pour Cute Shadow. Alors, Tifa, 1, 2, on saute. Ah non, il se prend le toit à chaque fois. Ouais, c'est pas évident. 1, 2, et on saute. Et voilà, c'est bon pour Tifa, qui anticipait un peu trop sa grenade, j'ai l'impression, et qui laisse passer Cute Shadow loin devant. Cute Shadow, du coup, là, c'est sa petite icône, il a pas dû la mettre bien comme il faut. L'auto-splitter, j'ai l'impression, s'est arrêté pour une raison obscure, il doit être bloqué sur ce split-là. Donc, pour vous expliquer le split, chaque split va entre un numéro de... 1 à 6 ou 1 à 7 en fonction des épisodes, et la couleur indique que l'épisode est différent. Donc l'épisode rouge c'est le premier, et l'épisode violet c'est le troisième, après il y a bleu, il y a jaune ou il y a vert, je sais plus. En tout cas, chez Cute Shadow qui est premier pour l'instant de cette race, on a récupéré notre arme préférée, le lance-roquette, et ici obligé de tuer cet ennemi, voilà, pour tranquillement appuyer sur l'interrupteur, sinon il nous vaporise celui-là. Sachant qu'il y a moyen de garder un quad damage qui, bien nommé, il multiplie les dégâts par 4. Ouais, et ça va permettre justement de faire des rocket boost et des rocket jump encore plus importants, mais beaucoup plus dangereux, car faisant plus de dégâts, on prend beaucoup plus de vie, donc il faudra avoir de l'armure, enfin, ça peut être beaucoup plus dangereux. Ce sera tenté parfois effectivement par les runners. Voilà, un petit rocket jump ici pour Cute Shadow. C'est très très très... Cute Shadow joue très très bien. Il jouait pareil, au même niveau à peu près que Tifa, pardon. Tout à l'heure, ils étaient au coude à coude. Et là, Tifa s'est un peu embourbé au début de cet épisode 2. Et Cute Shadow, qui a voilà, des splits là, qui cafouille un petit peu. Puisqu'à priori, il est au quatrième niveau de l'épisode 2, si j'ai bien compté. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, effectivement... Ou attention, ici, il y a double rocket jump. Et il faut garder beaucoup de vie pour pas se faire tuer par l'ascenseur. Donc là, va y avoir un cage ascenseur un peu immonde, et il faut en ressortir. Il va vous laisser sortir au bout de 6 hits. Il faut appuyer 1, 2, 3,
4, 5, 6 et on arrive à glisser, voilà, mais on prend beaucoup de dégâts dans le process. Ça nous met quasiment vraiment à zéro et ce qui fait qu'effectivement comme tu disais, si on a raté un rocket jump avant, on peut quasiment être sûr que ça passera pas quoi. Rocket jump ici, on va essayer de récupérer de la vie. Vous remarquerez, il y a beaucoup de ressources sur le sol et c'est un peu à la Hammer Watch encore une fois. D'ailleurs, les développeurs d'Hammer Watch sont fans de Quake, il y a énormément de références à Quake dans Hammer Watch. Et donc encore une fois, voilà, il faut bien gérer ses trajectoires et si vous devez faire des détours, bah, c'est du petit temps perdu en potentiel. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, on voit pas mal de rocket jump quand même réussi. Ça montre. Rocket jump, forcément, beaucoup plus simple que les grenades jump. Il n'y a pas le timing supplémentaire. Mais le jeu est fait de telle sorte qu'on est souvent, on va dire, le lance-grenade au niveau 3 de la mission et le 4 au rocket jump, même si ça peut varier d'une mission à une autre. Mais on a toujours le lance-roquette, pardon, c'est abus de langage, lapsus. On a toujours le lance-roquette après le lance-grenade, un ou deux niveaux après. Effectivement. Donc là, Q-Shadow, en fait, il attend un ascenseur qui est auto-scroller, qui va très doucement. Et si vous restez au fond de cet ascenseur, il y a plein d'ennemis qui pop. Donc il a attendu simplement que l'ascenseur descende. Il est allé récupérer de la vie sous l'eau et il s'est tranquillement mis dans le coin ici, attendant que ça descende. Donc petit auto-scroller de la pause. Pendant que Tifa, voilà, il en est simplement à l'endroit où on tue un titan avec son quad damage. Donc pas mal de retard pour Tifa, ouais, malheureusement. Mais en fait, ce que passe Q-Shadow, là, cet espèce, il évite une portion de jeu. En tout cas, c'est très intéressant parce que normalement ça fait office de boss, c'est plein d'ennemis en fait, c'est la dernière ligne droite, c'est la sixième mission de l'épisode 2, sachant que dans l'épisode 2 il n'y a que 6 missions. Donc voilà, ça va bientôt être terminé en tout cas pour... On va voir notre première femme araignée qui lance des boules à pic à tête chercheuse, on va essayer de la tuer le plus vite possible et on va récupérer ensuite la rune. Voilà, avec un grenade jump, deux grenade jump à la fin en tout cas, un premier... Voilà, ici. Pour récupérer la rune en attendant, et ensuite on y va. Ah, d'accord, il le on fait passe par-dessus. Il le fait qu'une seule fois, ça fait déjà gagner un petit peu de temps. Mais ça suffit. Parce qu'en fait, il faut distinguer vraiment les rocket jumps qui font des fois des skips. Donc là, on gagne beaucoup de temps d'une petite amélioration dont on peut se dispenser si on préfère garder un peu de vie, surtout en race. Il ne faut pas oublier que la vie que vous perdez à un niveau, elle se cumule au niveau précédent. Sauf là, évidemment, parce qu'on est passé à l'épisode 3, d'où le chiffre en bleu, merci Q-Shadow d'avoir rétabli tes splits, c'est très appréciable. On voit que Draconis et Devil Tifa sont au cinquième niveau de l'épisode 2, et Kusha, c'est au troisième niveau de l'épisode 2. Il vient de récupérer cette clé par-dessus la lave, donc beaucoup de retard pour Kusha, mais qui fait un PB a priori, qui pourra soumettre quelque chose s'il veut une petite complétion, des points en plus pour sa fiche. En tout cas, on voit que les déplacements sont très importants dans Quake. Voilà, c'est terminé en tout cas ce niveau 1 pour Q-Shadow, car les déplacements, c'est peut-être moins impressionnant entre guillemets que les grenades jump, mais c'est là où les meilleurs runners gagnent le plus de temps. Là, un boost. Ah ouais, alors celui-là, il est absolument incroyable, mais voilà, Q-Shadow qui se suicide, c'est normal. Ici, le but, c'est d'aller chercher la clé. Le problème, c'est que cette clé, dès que vous touchez le sol près de la clé, elle s'enfuit et elle passe dans le sol et il faut faire tout un détour pour aller la chercher. Le problème, c'est que le détour est extrêmement long, donc on préfère se suicider et réessayer de faire ce rocket boost pour y aller la chercher. Mais c'est vrai que le concept ici, c'est on va vraiment littéralement sauter par-dessus le trigger. Là, ça passe pas du tout pour Q-Shadow, malheureusement. Ah, encore une fois, et on se suicide dans la lave, c'est le plus rapide. Donc on fait un espèce de rocket jump, en fait on fait un grenade jump, mais dès que la grenade touche le zombie au contact, elle explose instantanément, et donc ça fait que ça ressemble plus à une roquette. Malheureusement, à chaque fois, il se fait coincer par le plafond. Alors voilà, on voit aussi les runners continuent en bas, mais qui, en tout cas Draconis Kushas, mais qui ont vraisemblablement un peu plus de mal, et c'est tout à fait logique. Ouais, l'épisode 3, mission 2, horrible. Mais en tout cas, c'est passé pour Q-Shadow. Il a plus que 48 points de vie. Attention à pas mourir. Beaucoup encore d'interrupteurs. Beaucoup de vie ici, ça c'est vraiment bien. On va souvent aller récupérer de la vie quand on manque. 2 points de vie pour la suite, évidemment. Et c'est fini, ouais. C'est passé, c'est très très bien que ce soit passé pour Q-Shadow. Tifa qui va finir l'épisode 2. Là, il vient de récupérer la rune. Alors rappelons une mécanique, on parlait effectivement avec Twin du fait que quand on recommence un épisode, on perd ses armes, on revient à 100 de vie. Il y a aussi une règle supplémentaire qui est très intéressante au sein des épisodes, c'est que si par exemple vous deviez arriver avec moins de 50 de vie au début d'un niveau d'un épisode, enfin mettons mission 2 ou mission 3 par exemple, on va vous remonter à 50 points de vie. Donc vous ne pouvez pas commencer avec moins de 50 points de vie les missions à partir de la 2. C'est très bien ça. Q-Shadow qui a réussi un grenade jump pas facile au début du niveau là.
Et qui continue tranquillement. Là, c'est que du routing quasiment. Il faut simplement suivre sur cette fin de niveau. Tifa, on va l'observer arriver à l'épisode 3, la mission 2, là où Shadow est un peu bloqué. Il va falloir voir comment ça se passe. Ouais, bah, y a la grosse difficulté de ce premier épisode de la mission 3, c'est justement un slope jump. Parce que forcément, on n'a pas le lance-roquette, on n'a pas le lance-grenade, donc si on faut d'autres techniques, bâtir une grosse vitesse pour du coup abuser aussi les slopes, donc les petites pentes, pour sauter, décrire des trajectoires avec beaucoup de air control. C'est le skipper dès le début du niveau, donc ça a été réussi. Cute Shadow qui a pas essayé le rocket jump sous l'eau au début de ce niveau, on verra si la mission 4 Tifa le fera. Là ici un moment assez compliqué, il faut faire attention à pas tomber de ces poutres en particulier. Beaucoup d'interrupteurs, on le remarque, hein, ce symbole du clou de Quake. Et cette arme iconique, le lance-clou, ouais, que j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que dans le speedrun on va assez peu s'en servir. Car on va tuer quand même très peu d'ennemis. En même temps, on nous donne un lance-grenade et un lance-roquette tellement vite dans ce jeu. Ou Tifa qui réussit son grenade jump très très bien ici. A priori, l'épisode de la mission 2 est très bien passé pour Tifa qui talonne Cute Shadow maintenant. En tout cas, épisode 5, 5e niveau de l'épisode 3, pardon, pour Cute Shadow. Alors, on a qui récupère le lance-foudre pour la première fois. On va pas beaucoup le voir. Qu'il faut absolument utiliser dans l'eau. Allez, le rocket jump qui ne passe pas. Le rocket jump, c'est pas grave. On va partir en backup immédiatement, j'imagine. Voilà, parce que effectivement, il y a double rocket jump. Il y a un premier rocket jump et un deuxième rocket jump pour déclencher le trigger de l'ascenseur. Du coup. Ouais, en gros, là, il y a tout un chemin à faire et ça va vous ramener en bas d'un tuyau. Et quand on touche le bas de ce tuyau, c'est le déclencheur. Mais si on y va avec un rocket jump et qu'on touche ce bas de tuyau, on peut directement ouvrir la suite. Sinon, il faut passer trois fois là par l'endroit où est Cute Shadow. On est déjà passé une première fois, on va y passer une prochaine fois. Voilà, on vient de toucher le déclencheur et c'est fini. Très bien pour Cute Shadow. Alors du coup, Cute Shadow qui est pas mal, hein, rappelons-le, un PB. Ah oui, il est passé, pardon. C'est pour ça qu'il a réussi tout fois. Une fois, j'ai été confus. Merci. Rocket jump pour Tifa. Rocket jump pour Tifa qui a réussi. À ce quatrième du coup ce quatrième niveau de l'épisode 3, c'est très très propre hein, chez Cute Shadow. Ouais, carrément, sachant que la difficulté augmente hein, même en speedrun ça va de plus en plus fort. L'épisode 1 a pas mal de techniques, l'épisode 2 ça va et l'épisode 4 c'est monstrueux, sachant que le record du monde est déjà fini. Ouais le record du monde il est complètement fou. Je vous recommande de le regarder parce que pour un jeu de ce type là il est bizarrement très facile à suivre et il y a des techniques qui sont folles hein. il y a un grenade jump ou un rocket jump je sais plus sur un poisson, c'est complètement fou. Mais en fait comme chaque jeu peuvent être différents au niveau des bunny hops qui fait la grosse différence en fait, les meilleurs joueurs gagnent essentiellement beaucoup de temps là dessus ils peuvent atteindre des vitesses vraiment folles hein. On en rigolait, on disait que sur les fiches sur Quake on devrait noter en fait la vitesse du bunny hop et en fait on disait là lui c'est un 440, enfin ils en parlaient comme ça, du coup j'ai rebondi là dessus, ils étaient là en train de dire lui c'est un 440, lui c'est un 470, c'est un gros joueur, donc ça me faisait beaucoup rire. Et on avait dit ça lors d'un récap et c'est vrai que les meilleurs joueurs ont des vitesses complètement folles, et contrairement à un Portal justement de par la physique en fait, les différences de physique entre Quake et Portal, ça bouge, ça gigote beaucoup dans Portal quand quelqu'un est bon, alors que dans Quake en fait il y a plutôt une fluidité, mais c'est lié à la au fait que pour avoir le boost qui... la série d'input fait que ça gigote moins et que c'est plutôt bon signe. Le boost qui passe pas pour Cute Shadow, je sais pas, je crois qu'il va se suicider là. Ouais, mort punitive, ouais, c'est terrible comme c'est dit. Là, il attend que le marine le tue. Le problème, c'est qu'au début des épisodes, les ennemis, c'est des vulgaires humains et les vulgaires humains font très peu de dégâts comparé aux autres. Et je connais pas trop la narration et l'histoire de Quake, mais c'est vrai qu'à chaque début d'épisode, on retrouve ses ennemis moins méchants. Le barrel boost, d'accord. Il l'a raté, mais la deuxième fois, c'est très bien passé. Ouais. J'aime beaucoup. On suit simplement les flèches une fois qu'on a réussi ça. J'adore le fait que le chemin soit fléché, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est clair. Et c'est fléché directement dans la diégèse, enfin dans les niveaux, quoi. C'est pas des trucs en surcouche. J'aime pas les flèches en surcouche, moi ça m'énerve. Par contre, là c'est directement des flèches sur les bords des murs, c'est littéralement comme si les démons pour s'y retrouver ils avaient indiqué le chemin quoi. Ouais, c'est pas mal. Tout va bien.
Pour aller au quatrième cercle de l'enfer, tournez à droite. Alors, effectivement, précision, les humains, c'est des changelins dans la diégèse du jeu, enfin dans le jeu en tout cas. C'est vrai. Alors du coup, Tifa, cinquième niveau de l'épisode 3, on est au sixième maintenant. Le sixième avec pas mal de trucs à faire en tout cas, avec un rocket jump. Un bon épisode 3 pour Tifa. J'ai peur que ça soit un peu court pour lui pour finir pour la première fois dans les temps. Mais Cube Shadow va pas non plus s'envoler à l'infini en, malheureusement en termes de points. En même temps, un point toutes les 6 secondes, imagine. Tu termines une minute devant, ça te fait 10 points durement gagnés. Ah ouais, avec ce petit piège là qui vous écrabouille, on saute en avance là où était Cube Shadow pour passer directement dans le trou. Ouais, mais de toute façon... Ouais, un niveau qui s'est très bien passé pour Cube Shadow, j'ai l'impression. Il est monstrueux de toute façon. Et là, on va voir, les slope jumps sont-ils tentés? Que va-t-il se passer? Et regardez comme les runners ont peur des ennemis, c'est parce qu'ils font excessivement mal. Allez, le slope jump, on encourage. Oh, ça passe direct, voilà. Il a même pas eu besoin de ce setup. Immédiatement, il va gagner beaucoup de temps ici. Ouais, c'est très très bien. On voit qu'il s'est beaucoup entraîné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de runners qui disent que sur Quake, à force de faire des tries, ils vont faire des bons temps, enfin, c'est-à-dire des 18 minutes. J'en discutais avec Fireman et d'autres, parce qu'en fait, sur leur run, ils ont raté plein de trucs. Mm-hmm. Et ils se disent, ah là là, mais si je passe tout du premier coup, je peux facilement faire un 18. Donc, ouais, du coup, ils sont hyper motivés, quoi. Et on voit, on s'attente le bunny hop hein, chez Cube Shadow, c'est vraiment bien. Hein. On voit de temps en temps, ça monte à 480 et tout. Il y a vraiment de la très bonne idée. J'adore, on passe à côté du quad damage ici, on s'en fout, il n'y a plus rien à tuer, on le prend même pas. Les champions le prennent pour justement faire un rocket boost, un quake, un quad rocket boost. Ils peuvent atteindre, je crois, c'est ici 1300. Pas mal. Mais c'est très très difficile. Je crois qu'en l'UD personne le tente peut-être. Je pense que c'est surtout très punitif parce que c'est le genre de technique avec laquelle on se one shot sans même y penser. Hein. Ah, c'est clair, il faut avoir l'armure et tout. Ce slope jump était gratuit, nous dit Fireman. Et oui, tout est très facile quand c'est d'autres gens qui le font. En tout cas, on progresse. Donc rappelons que l'enjeu de ce speedrun, c'est de finir les 4 épisodes le plus vite possible, de récupérer les 4 runes qui permettent de débloquer le boss de fin. Comment il s'appelle? Shub Nougarat? Ouais, un truc comme ça, ouais. Shub Nougarat, je sais plus... J'écorche son nom. Et en fait, c'est marrant, c'est qu'il y a un lobby où il y a accès à ces 4 épisodes. C'est d'ailleurs dans le lobby qu'on choisit la difficulté, je trouve ça très mignon. Et enfin, avec la difficulté Nightmare, d'ailleurs, qui est cachée, il me semble. Et enfin, quand on a fait les 4 épisodes, on a le niveau qui s'ouvre. Il récupère un anneau d'invisibilité ici. Et là, il faut faire des Shadow, petits sauts. Ça passe du premier coup. C'est moi, j'appelle le saut de l'enfer, parce qu'en fait, effectivement, il fait... il se rate facilement, mais il fait très très peur hein, ce saut, évidemment, qui est pas tout au début du niveau. Alors je corrige ma phrase, c'est pas dur à faire, c'est dur à bien faire, dit Sikana. Donc effectivement, je suis impatient que nous puissions streamer Sikana pour voir des quads damage boost et des quads damage jump. Le plus dur, c'est de l'optimiser, mais voilà, c'est souvent la phrase en fait. Il est très facile à faire, mais je le fais mal. Oui, parce que moi, lancer une roquette après avoir fait le quad damage, je suis capable de le faire. Je peux me péter la gueule avec un quad damage. Ouais, ce niveau-là aussi, il était très très bien. Et vous remarquerez, hein, les niveaux sont en 30 secondes, alors que si vous faites le jeu en normalement, pour découvrir ou juste pour prendre votre temps, chercher les secrets, tuer tous les ennemis, un niveau de Quake, c'est rarement moins de 5 minutes et il y a énormément d'optimisation de trajectoire. Les roquettes jump partout, on récupère l'armure. Ici, c'est très bien. On a raté, mais effectivement, il y a eu un quad damage water grenade jump de réussi. Non, mais j'adore les noms de techniques à rallonge parce qu'en fait, c'est par adjonction. Effectivement, c'est un jeu extrêmement riche. Donc, des trucs assez que des fois les runners se disent ça, peut-être que ça va passer. Mais moi, j'aime bien. C'est crédible en fait. Plus les noms de techniques sont nombreux et précis, ça montre qu'il y a eu une nécessité dans la communauté pour décrire les trucs de manière précise. Ça me fait penser à un stream récent sur Super Metroid où un viewer demandait quelle était la technique la plus difficile. Et du coup, tout le chat s'est mis à inventer des noms de techniques. Voilà. Donc, en tout cas, Tifa, quatrième mission de l'épisode 4. Attention, Cube Shadow quand même. La vie, ça va parce qu'il est invulnérable, sinon il serait mort là. Et ça passe. Et ça le va être niveau. L'arrivée au boss. On a une petite cutscene avant pour nous préparer. Surtout, faut y aller. Ça va finir dans les temps là, c'est vraiment très très bien. Ouais, non, le boss, quand on le fait vite, il est anecdotique. Sinon, il est excessivement dur. Il y a tout un chemin à faire. Bah, mais là, en fait... Théoriquement, c'est le téléfrag qui va faire.
C'est très très bien. Alors le temps d'y arriver et tout, avec la petite cinématique et tout, faut quand même se brouiller. Voilà, c'est bon. Alors on est au boss ici, le principe c'est qu'on a une petite boule dans laquelle on peut se téléporter. Mais pour s'y téléporter, il faut arriver au téléporteur. Et le téléporteur en fait, il va être juste après ce quad damage ici. Et voilà, en fait, on passe, en faisant un petit rocket jump, en passant à côté de l'espèce de blob dégueulasse au centre, et ben on a pu directement aller ici. On attend que la boule de téléportation arrive dans le boss, c'est bon, on s'y téléporte et il meurt. Bravo Cute Shadow qui va faire plus de 100 points. On aura au moins vu quelqu'un finir dans les temps. Tifa, juste derrière, il est au niveau 6 de l'épisode 4, va-t-il réussir à finir dans les temps? Ouais, là Tifa pourrait du coup battre son PB complétion peut-être. Je crois que c'est 93 points de mémoire. Ça bah doit... il a réussi à finir l'épisode 4, mais il a pas réussi à finir le boss, je crois. Ouais, ça doit être qu'il y a 27 balises, ça fait 4 points. Non, il a peut-être même pas validé le 7, ah, 93 donc il points. Il peut faire un petit PB là. Parce que ça doit être ouais, 3-4 points. Ouais, possiblement, il pourrait faire déjà un PB. Mais Tifa, on rappelle, en finale, c'est quelqu'un qui bat ses PB, qui fait tout bon, il donne le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un qui réagit favorablement à la pression ou l'absence de pression des tournois. Il a raté ce petit saut là qui risque de lui faire perdre pas mal de temps, malheureusement. Ah, les vilains poissons. Les piranhas, toujours un classique. Draconis en tout cas. Allez, on recommence. On voilà, il a fait apparaître la plateforme. Draconis 564 points, c'est le troisième joueur de la poule. Derrière lui, il y a Kouchas, il y a KTH. Ça va se battre à la complétion de Quake. Donc c'est très très tendu. Chaque épisode fait gagner quand même 3-4 points, c'est loin d'être négligeable. Ah, ça, c'est et Tifa, il était trop agressif, il voyait qu'il avait plus le temps, il était obligé de tenter tous les boosts pour y aller. Il s'arrête ici, ça va être la fin du chrono. Bip bip, lâchez les manettes. Bravo à tout le monde, que vous découvriez le jeu ou que vous connaissiez déjà. Bravo à Cute Shadow qui sera sans doute le seul à finir dans les temps de notre pool. Bah ouais, c'était de toute façon, c'était un petit peu c'était un peu prévisible, mais là du coup, il va avoir un sacré boost hein, Cute Shadow, c'était aussi son point fort. On rappelle son point faible, Cute Shadow, c'était plutôt Steam World League voilà. Mais voilà, pas de chance. Ah oui, donc c'était ça, donc c'était déjà un PB a priori peut-être côté Tifa. Il avait déjà PB d'un niveau en tout cas, nous dit-on. Les gens remplissent leur complétion en tout cas tranquillement. Ouais, c'est ça va être beaucoup de complétion a priori. Et là, faut voir quel est le niveau des complétions. Kouchas qui fait une complétion 36, Draconis qui fait une complétion 56, Taker qui fait une complétion 63. On va voir le temps que. On vous mettra le tableau dès que ça sera rempli, mais on voit que ça vient très doucement et on va enchaîner très vite. La dernière épreuve de la journée, c'est ça sera SteamWorld League. Ouais, SteamWorld League, alors là, on va être plutôt en terrain connu, j'ai envie de dire. Du coup, les gens vont normalement tous terminer dans les temps. Mais c'est vrai que là. Ça remplit tranquillement. On va pas regarder le tableau. Je pense qu'on a l'essentiel des temps. Donc, alors, on a tout le monde. On les c'est a merveilleux. Tous. Parfait, parfait. Donc, du coup, cette poule à l'issue de Quake Twin. Et ben, je pense que c'est la plus belle brochette de complétion qu'on ait eu depuis un bon moment avec Cute Shadow qui est le seul à finir. Il fait 111 points. Deuxième, on a Tifa qui finit avec 93 points. Ça resserre l'écart entre Cute Shadow et Tifa significativement. Ensuite, Draconis finit à 56 points de complétion. Ça lui fait 620 points. Il est loin devant Frappe ZC qui réduit un petit peu l'écart avec sa complétion 82. C'est égal son PB, je crois. Kouchas qui se fait un petit peu distancer pour la troisième place, malheureusement, avec que 36 points. KTH 33 points, Taker 63 et Stifler 26. Malheureusement, j'ai peur que ça soit compromis pour le podium. Là, c'est Frappe ZC qui va avoir des chances. Il va falloir faire un très bon SteamWorld League. Ouais, carrément. Là, du coup, les pronostics, même si du coup Cute Shadow a fait une bonne perf, là, beaucoup relèvent qu'il fallait qu'il prenne encore plus de points sur Tifa. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il est en bonne posture pour l'étoile du coup d'argent et du coup Cute Shadow là qui risque de grimper au classement étoile en tout cas à l'issue de ce tournoi avec au moins une deuxième place ou un PB de beaucoup de points sur SteamWorld League. Un PB et peut-être une contre-performance des adversaires, enfin c'est peut-être encore jouable je pense, mais ça semble très compliqué hein. Ça semble vraiment très compliqué. Cute Shadow, ça pourrait le mettre dans le top 10 étoiles hein. Donc c'est pas rien du tout, c'est une belle performance. Ouais, je pense. Et SteamWorld League, c'est jamais gagné. Donc attention, les points défilent très vite. C'est un jeu où la mort est excessivement punitive. Donc attention à tout ça, ça va venir très vite dès que les runners sont prêts. Surtout comme tu disais, par contre, je vois pas par contre la deuxième place, elle est acquise. Je vois pas. Les gens vont se battre pour la troisième place. Mais il y a un tel écart entre la deuxième et la troisième que je. Bah, c'est l'absence de complétion, hein. Tifa et Cute Shadow sont les seuls à avoir
des scores aussi importants sur Metroid et Quake. Kyuchado est le seul à avoir fait les deux en entier, donc évidemment, ça creuse l'écart significativement. Eh ben en tout cas, on va se regarder le clip de la prochaine épreuve. Oh, je pensais que t'allais mettre le clip direct. Voilà. Non, parce que nous, quand on commente, on a des transats, en fait, vous imaginez, on va pas rester là. Donc on a des transats juste à transat côté, en fait. Transat officiel du Stunfest. Donc en tout cas, on se regarde le clip et on se retrouve juste après. De retour du coup pour cette dernière épreuve Steam World Dig, qui risque du coup d'être assez déterminante. Hop là, j'arrive pas à baisser le niveau. Hop là. Donc Steam World Dig, peux-tu nous rappeler un petit peu ce jeu pendant que nos runners du coup se préparent a priori? Oui, faut-il rappeler ce que c'est, Steam World Dig, un classique du speedrun. On est rusty, on creuse vers le fond. De nombreux donjons avec de nombreuses upgrades dont on va évidemment skipper la majeure partie. Ce personnage, donc on voit Draconis qui illustre mes propos, c'est parfait, avec ses petits wall jumps qui créent les skips majeurs du jeu. On va aller le plus vite possible, être le plus riche possible pour avoir le plus d'argent possible et évidemment aller le plus vite possible. Donc c'est surtout une optimisation de routing, l'exécution. À part ces quelques skips, ça va. Et l'autre aspect majeur de ce jeu, c'est la prise de décision, le layout du niveau du jeu complet est généré aléatoirement, et donc il faut s'adapter extrêmement vite. C'est ça qui, c'est là-dessus que ça va se jouer. Un petit peu de chance évidemment, et aussi un petit peu de prise de risque. Donc mélangez tout ça, vous obtenez Steam World Dig. Le record du monde étant 22 minutes 38 par Béromondo, le deuxième temps 45 par Anxest, c'est 22-45 par Anxest, c'est très très serré. Ici, on espère que les runners vont faire entre 24 et 25 un excellent temps, 26-27 un temps moyen de race. Au-dessus de ça, ça serait des accidents, surtout au niveau de Kyuchado di Ultifa. Évidemment, un jeu qu'on est toujours content de voir. Le petit paradigme de la chance, c'est de changer la langue avant pour avoir un petit boost de chance potentiellement. Ça va rester en français peut-être pour Kouchas. En tout cas, la race va commencer. Un jeu auquel tu as beaucoup contribué, CDV, en termes de routing. Ouais, bah moi c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué en tant que speedrunner. Et puis j'ai fait partie, alors un peu après toi, Twin, évidemment, je suis arrivé un tout petit peu après sur le jeu. Mais c'est un jeu que j'ai eu envie de runner, qu'on a fait en speed game, on a fait l'UD1, c'était en partie à cause de ce jeu-là. Après, il y a eu le petit noyau, on va dire, de joueurs français, du coup, qui sont bien partis, ou alors Kyuchado est parti un petit peu en avance. Non, ça a l'air d'être commencé, mais comme on n'a pas rafraîchi les streams depuis le début, j'imagine qu'il y a un décalage qui augmente. En tout cas, c'est pas grave, de toute façon, on se basera sur la profondeur. Attention, Kyuchado qui est le premier parti et qui galère un petit peu sur ce premier wall jump. Quand on l'essaye 2-3 fois, ça devient plus rentable. Il va falloir vite prendre une décision, faut pas se bloquer ici, Kyuchado. Non, ça c'est clair. À moins qu'il s'entraîne, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas... Non, je pense qu'il s'entraîne en fait, j'ai cru, parce que j'ai pas le chrono sous les yeux. Je pense en fait que c'est un entraînement. Il ok, ouais, c'est un entraînement, c'est un entraînement, pas de panique. Mais non, parce que là je commençais à me dire, là ça me paraissait bizarre. Petit entraînement, d'où le fait qu'il restait tout bien. C'est forcément ça. Alors, ça va bientôt partir, attention, on charge une première fois le jeu évidemment. Timer lancé trop tôt, pas de panique. Voilà, c'est bon, c'est parti, là, c'est bon. C'est beaucoup plus synchro, tout est normal. On passe les dialogues le plus vite possible avec B, on évite de parler trop de temps avec Dorothy, notre meilleure amie. Et ce premier skip ici, pas forcément rentable. Bah en fait maintenant il y a un setup comme vient de le réussir Kyuchado en fait. On peut le tenter une fois en faisant un saut de très très loin et directement on fait le wall jump, qui est pour le coup très différent comme wall jump de Metroid.
Faut faire attention, c'est pas parce que ça s'appelle pareil que ce sont les mêmes inputs. Faut vraiment bien garder la flèche quand on est contre un mur de droite, faut vraiment bien garder droite, sauter puis ensuite changer du coup de direction, sinon le personnage se décroche. Donc c'est des petites habitudes, ça se fait plutôt bien. Et du coup, ouais, là, un jeu en tout cas, moi que j'aime beaucoup. Je pense que dans les jeux que je préfère René, c'est dans mon top 5 des jeux que je préfère René. C'est un jeu court, qui est dynamique, qui a beaucoup d'éléments pour lui. C'est un jeu qui est très agréable à réisser en particulier, je le recommande beaucoup pour cet aspect-là. On va arriver à la deuxième moitié du tuto, cette partie où il faut creuser pour récupérer 8$. 8$ qui vont nous permettre d'acheter une vraie pioche, parce que cette pioche-là, c'est la pioche un peu rouillée qu'on a trouvée sur un cadavre, c'est quand même pas le meilleur outil du monde. Et ensuite, on va pouvoir aller s'enfoncer directement dans les profondeurs d'Arkea. Donc 8$, ça représente soit 8 tritium poubellium, ce qu'on voit, la matière jaune qui vaut 1$, soit de temps en temps on tombe sur du cuivre qui donne un petit boost en termes de timing. Tout à fait, ouais, parce que forcément ça vaut 2, donc on va creuser une case de moins, c'est une poignée de secondes d'économiser. La run se jouera pas dessus, mais c'est surtout l'aspect psychologique. Alors en grinds on est hyper content, en race ça donne, c'est l'aspect psychologique est renforcé. Comme là, bah justement, voilà, Q-Shadow qui remonte immédiatement. Avec ce pareil pour coucher à ce petit tuyau ici, donc ça c'est, voilà, c'est un petit gain qui fait qu'on a confiance, qui fait que ça démarre bien, même si c'est pas si décisif que ça. Quand on en a deux, on préfère avoir du cuivre le plus tôt possible, parce qu'on préfère ne pas creuser en fait trop sur la gauche. Donc en plus c'est même pas le fait d'avoir une cuivre, c'est à quand on l'a. On peut avoir un fer aussi, mais je crois qu'en tournoi on en a pas encore vu. Non, toujours pas. En tout cas là on a eu 3 cuves sur 4 personnes. Tifa un tout petit peu en retard à cause de ça, mais c'est pas important. Ici, on va commencer à voir l'aspect essentiel du speedrun, c'est comment on creuse et où est-ce qu'on creuse. Il faut essayer d'optimiser le temps que ça prend. Ici, on est à 3 coups de pioche par bloc, mais quand on a le petit sable, ça prend un coup de pioche de moins, et donc il faut réussir à prendre vite. Oh, le maxi sable. Ouah, couche ça, s'il y en a de partout. Avec la citrine, c'est genre, mais j'ai ça fait partie des 2% de run où là, il y a un donjon hyper profitable. Ce qui fait qu'il a eu un split, on va dire, bien pas extraordinaire, on va dire, quand il a vendu. Mais là, le sub 2.40 au donjon 1, c'est monstrueusement bien. Ouais, ça fait partie des meilleurs. 2.45 à la run, c'est parmi les bons temps. Là, c'est Kouchas, il est devant son Pibi, là, il doit être en train de se dire « Oh mon Dieu !» Non, on se dit pas Pibi à 2 minutes, quoi. La preuve, il panique, il fait non, deux petites erreurs. Non, il panique erreurs. Pas, là, ces wall jumps sont pas très faciles. C'est donc petit routing d'oreille. Ici, on va récupérer des orbes. On garde son sang-froid, effectivement, même quand on a un peu de chance. La run est longue, il faut bien rester dedans. Mais Tifa a repassé devant quand même, hein, même avec voilà, une meilleure exécution sur ses wall jumps. Ça lui a permis de repasser devant. Q-Shadow qui est pas trop mal là. Et... Ouh, qui est mort par contre. Il s'est pris la tortue dans la tronche. C'est pas bien du tout ça. Ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Donc Kouchas qui est passé deuxième parce que Tifa n'a pas fait le détour pour récupérer des orbes. Et Q-Shadow qui repasse troisième à cause de sa mort ici. La mort peut être très punitive dans ce jeu. Mais après, c'est vrai que Tifa, c'est le seul qui a un PB à 200 points en championnat. Ensuite, c'est Steffler et KTH en backup. Et pour les joueurs qui sont en main, du coup, c'est Kouchas le deuxième avec un 187 points en PB. Et Q-Shadow, lui, a un 156 points en PB. Donc, pour l'instant, ça va encore. Je me demande, souvent les runners sont bons sur la première moitié et perdent énormément de temps sur la deuxième moitié. Donc, on verra ça dans le dernier monde qu'on appelle Vectron. C'est là où il y a énormément de choses qui se jouent. Tifa qui s'élance sur la deuxième partie. Ici, on a récupéré beaucoup d'argent. Donc, on a une pioche qui creuse vite et on peut s'enfoncer très très rapidement dans les profondeurs d'Arkea. En tout cas, hein, c'est pareil. Hein. Là, on voit en tout cas. Kouchas qui lui a vraiment une mauvaise complétion sur Quake, du coup il a été dépassé par Frappe ZC, hein, qui est à 596 points, qui est en backup. On jettera un œil tout à l'heure. Frappe ZC qui est maintenant à 24 points de Draconis. Donc peut-être une étoile de bronze pour Frappe ZC. Si il devait réussir du coup ce jeu. On passe devant le TP. Tifa qui est un peu pauvre là, il a pas eu les meilleurs minerais. En descendant vers ce donjon, on va récupérer le saut vapeur ici, ça va nous donner notre barre d'eau. Et la possibilité de charger, de concentrer un petit peu son saut pour sauter plus haut. Allez, les petites herbes ici. Alors justement, on parle de stratégie 1. En race, on quitte pas le donjon, mais on grind petit à petit. Si les gens sont courageux, on commence à envisager en fait le fait de skipper le deuxième donjon après avoir pris le steam jump. Et du coup, de reposer plus sur la chance.
Mais par contre, on peut faire des temps du coup au drill vraiment monstrueux. Toujours pas vu de runner faire ça en attente sérieuse de run. Bah, il a fait quelques tries, donc c'est ce qui était en quelques tries assez concluant, mais le problème c'est que c'est pas évident. Il a réussi à finir un run avec ça ? Non, il allait jusqu'au drill simplement. Et du coup, c'était assez concluant, mais le problème c'est que du coup, on repose encore plus sur la chance parce qu'on prend pas des petits minerais. Et donc, ça peut être. Ça veut dire avoir eu des minerais avant de rentrer dans le D2 surtout, d'être tombé dessus. Tifa a assez d'argent pour acheter sa cinquième sacoche, c'est ça qu'on vise ici. Il est un peu en retard par rapport à Kusha, simplement sur le minage, mais il repasse devant sur l'exécution des sauts. Et Cube Shadow fait un petit détour pour récupérer de l'argent aussi, donc on va avoir nos trois runners à peu près synchro. Draconis, un peu de retard. Ah si, il y a au moins Anxès qui a fait un 23-21, mais c'est vrai que Anxès est un bon joueur, donc il a plein de temps entre 23 et 23-30. Anxès qui, d'ici la fin, en tout cas, il pourrait reprendre le record à Beromondo, lequel Beromondo pourrait lui-même se battre. On sait que ça pourrait retomber le record. On a eu des runners qui ont fait des fois des runs en dessous des 23-30, mais ils étaient partis pour. Il y a un petit truc qui s'est mal passé. Mais là, on arrive après, pour le coup, en dessous des 23 minutes, là, c'est vraiment... faut que les lunes soient alignées en plus du fait de bien jouer, donc c'est très très compliqué. Ça sent la fatigue un petit peu chez Draconis, je trouve qu'il y a des petits défauts d'exécution assez surprenants. Tifa qui fait des détours pour farmer là. Pourquoi pas. Oh, un petit cristal. Les cristals, c'est donc la lavénurine qui vaut 25, c'est des minerais spéciaux qui ne se stackent pas contrairement aux autres. Et là, un petit peu de sable avec des minerais dedans. Tifa, ouais, qui fait une très bonne descente, il est déjà à 136 mètres de profondeur. Il est une dizaine de mètres devant Kushas. Il est à peu près égalité avec Cute Shadow, mais il a l'air d'avoir un peu plus de ressources. On a Kushas qui se bat contre une tortue, attention à pas casser le gros caillou. J'ai cru à un accident de Kushas qui aurait pu être en difficulté. On va attendre la drill, et quand on aura validé la drill de ce troisième donjon, jetterai un œil à nos backups. Et bien Cute Shadow, du coup, Stradores, il a dit j'ai pas assez farmé, je vais du coup prendre ces 50 qui sont dans ce donjon. Quand ça se fait bien, ça se fait en 16 secondes de mémoire, quand tout se fait bien, donc dans certains cas, ça peut être en race une bonne stratégie du coup. Ouais, quand on n'a pas assez de farm, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup, que ce soit même en race ou en PB Atom, parce que farmer ça prend très longtemps. Ouais. Et là on est sûr qu'on a des orbes et un cristal. Les orbes c'est bien pour acheter de la vie. La vie ça peut faire gagner du temps parce qu'on peut jouer un peu moins safe derrière, donc prendre plus de risques. Et attention par contre, pas mourir évidemment. Tifa qui va être pas mal du coup, qui devrait être sur un. Il est pas mal. En dessous des 9-15 peut-être au drill, 9-20. Ça nous est jamais arrivé d'avoir un glitch incroyable qui est découvert en race. Ouais. Mais je pense qu'un jour, si on continue les saisons à l'infini, en potentiel, ça va arriver. Et peut-être qu'à ce moment-là, tout le monde va lâcher le tournoi et va faire « Oh, il est trop bien ce glitch !» Qu'est-ce qu'on peut faire avec ouais. Rendez-vous à l'UD157. Pour cet événement rare. Après, on est content de l'avoir remis à cette saison parce que c'est un jeu qui a pas mal plu, qui nous avait plu, donc on était plutôt confiants. Et qui, du coup, des runners ont trouvé des petites optimisations. Depuis qu'on a commencé, on a trouvé Twin deux petites optimisations plus tard dans des donjons. On parle de quelques petites secondes, mais qui, quand même. Ça montre qu'il reste des trucs à faire. En tout cas, n'importe quel jeu, aucun speedrun n'est fini, je pense. Ah oui, bah ça c'est clair. Allez, on arrive à Tifa, du coup, on va voir. C'est une bonne drill. Hein. Du coup, surtout en race. Hein. Ouais, autour des. Là, ça va être 9 minutes, 9 minutes 10. En dessous des 9 minutes 30, c'est vraiment une très bonne drill. Ça permet de faire des temps incroyables. Voilà. Ça va dépendre évidemment de son farm derrière. Le farm a pas l'air dingue. Donc, il va devoir sans doute faire des petits détours pour aller chercher des minerais. Le farm de Kusha, c'était assez bon. Donc, ça risque d'être potentiellement un peu mieux. Attention, faut pas mourir dans les donjons. Et Cute Shadow qui va. Ouais, qui est un peu derrière Kushas. Donc, pour l'instant, Tifa largement premier. On va regarder du coup vite fait nos backups. On a du coup. Alors Frappe ZC, il vient de vendre, il va rentrer dans le D3. Non, il a quitté. Ah non, c'est-à-dire qu'il est bien placé, il est comme Tifa, il est bon joueur. Donc du coup, il a fait la pioche plus. Il a fait pioche plus, ouais. Il a que 4 sacs, donc il a plus d'aller-retour à faire pour vendre. KTH va arriver du coup, par contre. Et Taker, lui, est dans le donjon. Du skim jump, il prend son temps, c'est la fin de la journée, c'est bien. Oui, c'est vrai, appréciable. Mais c'était son jeu sur lequel il était plus faible aussi. Oui, il a peut-être eu une petite mort aussi, hein, ça peut arriver. Ça peut. En tout cas, Kushas qui farme un petit peu ici, hein, récupère un peu de minerai en sortie de donjon. Tifa qui vend et qui va aller chercher son diamant pour débloquer Biff.
Ouais. Donc ouais, Tifa, Frappe ZC, Tifa sans doute devant, Frappe ZC qui en backup sans doute deuxième. Oulala, Shadow qui rate ce petit saut sur l'échelle. On va arriver au Jimmy. Ah d'accord. Bon, il y a plusieurs écoles, hein. C'est vrai que moi je le fais maintenant à l'école, deux sauts puis un. Et là ça patine un peu chez Tifa, mais la deuxième partie c'est bon. Est réussie. C'est bien enchaîné, mais c'est un skip qui est assez difficile. Et surtout les wall jumps sont assez traîtres visuellement, ils sont pas tout à fait comme on les imagine. Là, il faut réussir à faire un petit steam jump sans consommer trop d'eau. Parce qu'il faut garder absolument de l'eau pour casser le bloc avec sa tête. Tête un peu, ça passe. Non, c'est bon, c'est tout juste. Il a vraiment pu une goutte d'eau. C'est clair. On arrive au du coup, Jimmy sur Rougesse qui carrément tombe de plus haut. Faudrait faire attention. C'est pas grave, il va récupérer une Triforce ici qui va tout remettre bien. Une petite citrine sur la route. Et Tifa, ouais, qui va avoir une minute d'avance sur le deuxième. Si Kouchas réussit vite, évidemment, son 10 000. Mais sachant surtout que Frappe ZC est devant Kouchas maintenant au total et pourrait rattraper Draconis. Donc là, je pense que Frappe ZC est en train de peut-être, à l'issue de cette épreuve, va peut-être passer devant Draconis parce que Draconis est qu'au donjon 3. Donc Jimmy, c'est le nom du premier runner à avoir implémenté ce skip. Hein, Jimmy Risk, runner ex-record du monde holder de Ninja Gaiden 2. Qui renaît aussi Steam World League, et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a des petites familles de runners qui run des jeux de l'UD, que ce soit des runners de l'UD ou non, de façon amusante. Un petit bisou à Kalumbal s'il nous entend un jour, un runner qui renaît beaucoup de jeux de l'UD. Sans que vous... on vous incite pas à être parano, mais ça c'est arrivé des fois qu'on regarde en se disant tiens, lui il joue à quoi d'autre comme jeu s'il avait un record de l'UD. Donc du coup les gens vont être là, oh là là, lui il avait un record, oh là là, lui il faut apprendre tous les jeux de Andy Sway, Jimmy Risk, Kalumbal. En tout cas, c'est la revente au 1100 pour Kouchas. Kutshadow qui va y arriver aussi, mais il a un petit peu de mal à monter jusqu'au générateur ici. J'en barfouille. Regardons. Et Tifa beaucoup d'avance. Non, regardons en backup du coup. Frappe ZC qui fait bif du coup à 12.38, un truc comme ça. Donc un petit peu derrière, il y a eu peut-être quelques soucis. Frappe ZC KTH à peu près au même endroit. Taker évidemment bien en retard. Mais surtout, ça nous indique que Kouchas juste derrière, enfin à peu près en même temps que KTH, Frappe ZC. Et comme on l'avait déjà dit, un coup chat. Enfin, Tifa largement. Tombe devant. Sur le générateur, petite sauvegarde, mais il a pas d'or pour s'acheter le quatrième point de vie, malheureusement. Mais c'est une backup que font beaucoup. Il s'est dit qu'est-ce que je fais avec les champignons qui sont capricieux. Hein, c'est vraiment les vilains champignons, quoi. Au pur réflexe, des fois, c'est trop dur de pas rebondir, quoi. On se retrouve. Alors. Attention, oula. J'aurais pas fait ça. Non, là, par contre, ouais, faut faire gaffe. Ah, je suis allé dans le donjon pour me récupérer en vie. Voilà, il est passé par-dessus l'eau pour sécuriser le bif pour Kutshadow. Voilà, un petit peu de vie. Ah, les yachts vraiment pourris. Kusha, ce zombie qui va tomber. Que attention. Fait Tifa, j'aime pas du tout ce que fait Tifa là. Voilà, c'est bon. Ok. Il faudrait faire attention, ce qu'une mort. Les morts sont extrêmement punitives dans ce jeu. Kutshadow, 15 points. Kutshadow est à 23 points derrière Tifa. Kushas, lui, il est 20 points dans la Frappe ZC qui est en backup. Et Draconis surtout, pour le coup, la Frappe ZC Draconis, 620 points, Frappe ZC 596, ça fait 24 points. On est à, ouais, faudrait 2 minutes 24 d'écart. Ça commence à être beaucoup, mais c'est largement envisageable comme dans le jeu. Ouais, Tifa, qui réussit bien le CV skip. Et qui récupère son point. Oh, attention, à un endroit assez compliqué, il essaye de passer par-dessus ce bloc. Ça peut être vraiment délicat, genre de zone à naviguer. Mais bon, il s'en sort. Il y a Anxès qui dit de Kouchas qu'il va à la rencontre des zombies. Effectivement, des fois, les zombies... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en tasse, ce serait sans doute optimal quand on creuse dans le world de rester plus au centre, parce qu'il y a des fois plus de trous. Mais en fait... c'est tellement facile de faire des erreurs de decision making, d'avoir des zombies pourris et d'avoir des soucis que humainement. Il a vraiment un layout dégueulasse, Tifa. Il est obligé de faire 1000 détours. Il pourrait se faire rattraper rien que sur ce layout, quoi. Ouais. Après, il a tendance à beaucoup. Il essaye d'éviter de creuser dans des pierres dures, donc il fait aussi des détours en se disant il creuse pas tout droit. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'il est optimal de faire. Ok, au moins il a vu où est le donjon. Attention, encore une fois, pas mourir. Non, il va pas prendre le risque de faire descendre. Le détour. Ouais, il a raison. Il aurait pu se retrouver super mal en étant trop bas. Ok, c'est bon, c'est bien joué.
Kuchado la mort. Ah, Kuchado la mort. À Old World. Couchasse. Et là, il a pas de TP. Il va être obligé de redescendre tout Old World. Kuchasse, en tout cas, voilà, qui là est fait un point un petit peu moins bon que ce qu'il fait d'habitude, mais du coup, voilà, il est pas trop mal. En tout cas, Kuchas, qui était pour d'habitude, il vise haut, mais là, il est content d'une étoile de papier aujourd'hui car il n'avait pas bossé quoi, qu'il pensait même pas arriver en finale. donc du coup, il est très content. Il dit c'est du pur bonus pour le classement étoile. Ouais, c'est, je l'ai encouragé à aller s'inscrire au tournoi parce que c'était rentable, même juste comme entraînement de tournoi. Faut pas forcément, faut avoir un état d'esprit de race, et l'état d'esprit du tournoi, j'imagine, moi j'ai pas fait, j'aimerais bien faire des tournois, mais il faut. J'ai l'impression qu'il y a les runners de l'UD ont cette qualité de beaucoup entraîner en race. Kuchado qui est dans le mal ici, qui a vraiment Kuchado, ouais, un passage vraiment compliqué. Bah, je pense que à l'UD retraite, quand nous on prendra notre retraite, mais que l'UD continuera, en fait, on pourra faire des tournois du coup. Ça sera cool. L'UD retraite. Parfait. Alors du coup. L'UDérision. L'échelle, la stratégie de l'échelle pour Tifa, qui est du coup une des deux stratégies. L'échelle. De quoi ? Ça sonne comme la stratégie de l'échec. La stratégie de l'échelle, ouais, pour tomber avec Tron, tu disais. On n'a pas les Fall Dampeners, hein, qui permettent de ne pas prendre de dégâts quand on chute. Ouh, la mort ici, c'est pas grave. C'est en entrant avec Tron. Il a sécurisé, du coup, il s'est dit, allez hop, on va prendre de l'eau. Mais il avait peut-être. Ouais. Il est allé, il était parti pour débloquer le truc, donc je me dis. Donc il perd un peu de temps, mais pendant longtemps, je me rappelle, on allait. Jusqu'à quel record on prenait encore cette peine d'aller avec Tron? Je crois que jusqu'au 25-30, je dirais. Ouais, un truc comme ça, 25-30, 25-30. On l'a fait très longtemps. Puis après, on s'est dit, ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il fait, Tifa, là? Il farme pour un peu de vie et tout, mais. Non, il veut se prendre. Ouais, c'est ça. Ouais, il va aller chercher de la vie. Pourquoi pas? Il a un TP sur lui, il a pas de quoi s'acheter de vie, ouais, il va y aller comme TP ça. TP de sécurité, mais ça fait qu'on est plus confiant le TP de sécurité. Ouais, je préfère le quatrième point de vie de sécurité que faire ce qu'il a fait là avec plein d'allers-retours et tout. Le quatrième point de vie, il fait gagner du temps, il en fait pas perdre. Ouais. En race, hein, ensuite en grind c'est pas pareil, mais en race ça, je le trouve excellent. Ouais, carrément. Parce que là, Tifa il va presque se faire rattraper par Kuchas. Ouais, Kuchas qui a pas le quatrième point de vie non plus, il y a que Draconis qui l'a et Draconis est loin derrière, comme quoi ça me fait mentir. Mais en fait c'est aussi le facteur confiance, moins on est confiant, plus on le prend, et on, souvent, pas toujours, on est moins confiant quand on est moins fort. Tifa c'est mort là. La mort de Tifa, pas d'échelle. Il a pas acheté d'échelle supplémentaire. Pas d'échelle, il peut pas. Ah, dans l'autre façon non. La diagonale va pas marcher et il va se le prendre sur la tête pour le suicide. Et voilà, c'est terrible. Mais là, il n'y avait rien à faire. Faut pas aller dans l'eau quand il y a des blocs. Là, il est un peu décontenancé. Il fait un droit-gauche pour revenir à Old World et pour récupérer de l'eau. Mais attention. Et ouais. Ouais. Alors sinon, un petit TP de sécurité et avoir le réflexe d'aller acheter une échelle, ça aurait été cool. Ouais. Le problème, c'est que s'il posait un TP, il pouvait pas poser une échelle par-dessus, donc ça marchait pas. C'est terrible. Bon, il a pris la bonne décision. En tout cas, Draconis, on rappelle, Draconis, 620 points. Il est sur le podium pour l'instant, il peut se faire rattraper que par Kuchas ou Frappe ZC. Kuchas qui est pour le coup devant lui. Si Tifa vraiment ne finit pas, c'est quand même compliqué pour les autres de le rattraper encore, ce qui est terrible. Sauf ouais, pour Kuchado évidemment. Bah, ça paraît compliqué quand même, Tifa, je le vois pas. Tifa, normalement, il est en bonne posture en fait. On peut jeter un coup d'œil au backup avec Frappe ZC qui est également avec Tron qui rentre dans ce donjon du coup. Il y a un bouton pour se suicider hein, dans le menu. Hein. C'est ça. Frappe ZC, ouais. Frappe ZC qui est pas mal, qui est dans ce donjon du coup. Il est certes derrière Tifa, il est derrière Kuchas, mais de très peu. Kuchas, Frappe ZC, très serré, mais pour le coup, Draconis largement derrière. Ouais, Draconis il est à la bourre là et il fait la stratéchelle, le double saut, c'est parfait. Ouais. J'ai jamais repris la peine parce que moi je fais l'autre strat en fait dans le jeu, donc l'échelle, je suis même pas sûr si je devais la ressortir en raid, je la réussirais. Je pense que oui, mais en fait comme je l'ai pas faite depuis tellement longtemps,
Bah, tu maintiens haut simplement et tu sautes, quoi. Enfin, c'est pas... Bah, c'est pas dur, mais dans la panique, je sais que je la ratais des fois, les arts. Finalement, je réussissais plus la stratégie en me laissant tomber. Qui est censée être plus dangereuse. Mais bon, comme quoi. On a une bonne petite série de sauts pour Tifa. Qui c'est qui a repris de la vie, évidemment. C'est pas obligatoire. C'est qu'est-ce qu'il fait, Kouchas? Kouchas, c'est quoi? C'est bizarre, là. Ok, pourquoi pas. Alors là, par contre, non. Mauvaise direction, à mon avis. Là, ça va creuser long. Longtemps. Il, est ouais, il se fait largement dépasser par tout le monde. Il s'est presque rattrapé par Draconis, Kouchas, là. Ouais. C'est tellement long. Après, on va dire que c'est la faute du layout. Après, Draconis, c'est un donjon de retard. Ouais. Donc ça va encore. Mais Kouchas c'est derrière Draconis. Donc Kouchas, il faut qu'il termine devant Draconis s'il veut faire une troisième place. Là, c'est le gros point de tension, c'est Draconis, Kouchas. Frappe 632. ZC. Ah non, en fait, Kouchas c'est pas mal. Il est devant Tifa parce que Tifa est mort. Mais Kyuchado est vraiment bien. Hein. Donc attention, attention Tifa à Kyuchado. La menace. L'ombre maligne. Bah ouais, là, Kyuchado s'il fait un bon truc. Il y a combien de points d'écart? Il y a une vingtaine de points, 23 points d'écart entre Tifa. Ouais. 23 points d'écart, c'est 2 minutes 18. Ouais, c'est quand même dur. Ouais, à ce niveau-là, ça me semble compliqué. Oh là là, ça creuse. Tifa, il va se retrouver à sec d'eau si ça continue. Voilà, parfait, c'est ce qu'il espérait, je pense. Non, Tifa, il est devant Kyuchado. J'ai du mal à me repérer avec 633 mètres pour Tifa et un petit peu derrière pour Kyuchado, effectivement. Mais ouais, c'est très serré. Moi, ouais, je sais qu'en grind, je le gracie. Des fois, il y a un robot, tant pis, je me le prends et puis. Ouais, mais en grind, c'est pour ça. Mais en race, c'est vrai qu'on va pas tenter. L'état d'esprit race, il est pas pareil. Allez, il faut se décider très vite de toute façon. Mais qu'est-ce qu'ils sont durs ces rochers. Attention, Tifa m'a fait peur là-dessus. Kyuchado, je pense qu'il va recharger de l'eau après avoir creusé ces deux blocs. Voilà. Bonne décision. Kouchas qui va arriver au double saut. Comment il va creuser Kyuchado? Ça fait des tours, allez, bon courage. Kouchas qui est pas mal, qui vient de prendre justement le double saut, la technique cheatée là, qu'on est content d'avoir. Allez, Tifa qui va arriver dans plein temps au donjon. Malheureusement, il a plus d'eau, mais ça devrait passer pas mal. Ok. Tifa qui arrive au double saut. Kouchas qui va sortir du double saut tout bientôt. Kyuchado un peu en retard. Le duel Kyuchado-Tifa est en train de se sceller. Ouais, Tifa qui a récupéré, donc Kyuchado, ça risque d'être compliqué. Après, on a vu des gens chercher le dernier donjon pendant très longtemps. Mais ouais. Il a tellement d'avance, hein, 2 minutes 18 d'avance. En point. Allez. On quitte ce donjon pour Tifa, donc maintenant on va se diriger vers Laser City, ainsi qu'après Laser City, puis Larry, puis Boss. Kyuchado, un donjon de retard du coup par rapport à Tifa. Tifa qui prend son temps ici, qui joue safe. Laser City pour Kouchas aussi. Ouais, Kouchas un peu d'avance. Draconis, le record du monde, enfin fini depuis une minute. Le record du monde est vraiment incroyablement rapide. Les Kouchas qui va aller. Oh, faut pas mourir. On dise le double saut à bon escient. On arrive au donjon pour Draconis. Attention, ne prendre pas trop de dégâts. Le petit dégât là pour le laser. J'ai vraiment peur entre Kouchas et Tifa. Kouchas a vraiment pas beaucoup de vie. Il cherche le donjon maintenant. Kouchas qui pourrait passer devant Frappe ZC Draconis. Allez, au total. Le donjon, on l'a vu, Kouchas, il faut y aller, faut pas mourir, faut pas paniquer. Allez, c'est bon, de la vie. Deux petites erreurs de saut, c'est dommage. Maintenant, voilà. Oh, Kouchas, dommage. Voilà, faut qu'il fasse un sprint à laser et qu'il se prenne intentionnellement le robot. Et là, il y a un petit coup en diagonale à faire, il ne le fait pas. Ah si, il a oublié, il a fait « Ah attends, il y a le coup en diagonale. » Et c'est raté, alors là par contre, ça va le tenter deux fois, faut faire attention à ne pas le rater trop. Ouais, voilà, c'est bon. Et Tifa, qui le fait aussi, qui le réussit du premier coup. Tifa, qui est au coude à coude avec Kouchas, ça va se jouer sur l'exécution sur le boss entre les deux. Sachant que... Non, ça va se jouer, c'est Kouchas va être obligé de passer par-dessus.
Alors que Tifa peut y aller en dégâts et prendre de la vie. Donc Tifa va passer devant. En tout cas, il va arriver, arriver au boss. Il arrive au boss, Tifa. Kushas arrive au boss. Regardons en backup vite fait. Frappe ZC arrive au boss aussi, du coup. Ah, très serré entre Frappe ZC, Kushas et Tifa. Et KTH a trouvé le Larry. Donc il a quand même pas mal, j'ai l'impression, donc pas mal rattrapé son retard. Donc Kushas et surtout Draconis qui est dans l'embarras là. Tous les joueurs qui sont derrière lui, à savoir Frappe ZC, Kushas, KTH dans l'ordre, sont tous devant lui sur Steam World League. Ouais, Kushas qui trouve le Larry. Faut que du coup Draconis se concentre hein, sur cette fin de run de Steam World League. Draconis ça risque d'être mort et la troisième place se joue entre Kushas et Frappe ZC, mais Frappe ZC a 20 points d'avance sur Kushas, donc ça risque d'être troisième place pour Frappe ZC. Frappe ZC qui s'illustre pas mal dans cette UD. Cette UD 5. Allez. Le Larry a trouvé du coup pour Cute Shadow. On arrive à la zone de fin. Il va faire la Stradon. Non, il l'a trouvé, pardon, il l'a quitté. Donc c'est parfait. On arrive à Robo, évidemment, on va prendre les PV en race. À moins d'avoir deux carreaux. Un carreau et demi, on peut ne pas le prendre, mais en dessous, c'est quand même dangereux. Donc du coup, Tifa, c'est bientôt terminé. On voit que les points sont durs à gagner sur Steam World League, un jeu simple mais quand même record du monde assez solide. Du coup, évidemment, ça fait qu'un point toutes les 6 secondes, ben, les points défilent vite. Ça reste difficile pour les plus jeunes runners terminant les temps, mais après, on a vu quand même, on a, je crois, une... C'est un des jeux avec le plus de soumission de temps. Steam World League, c'est peut-être le troisième jeu avec le plus de temps. De deuxième, à égalité avec peut-être Rayman, peut-être. Mm-hmm. Donc pas mal de gens terminent les temps, mais, même si c'est quand même assez difficile. Shadow sur le boss, Tifa qui va finir son boss, Kushas aussi. Attention au rayon blanc. Ouais, c'est bon pour coucher pour Tifa. Très très belle run, mais pas mal de petits accros, des morts, et ça fait un 27 minutes au final. On est à 5 minutes du record du monde. Ouais, c'est clair. Cute Shadow du coup qui va consolider sa deuxième place a priori. Donc première deuxième place devrait pas y avoir. Le Rem Kushas du coup qui termine maintenant. Donc regardez bien ce score, environ, on sait pas encore précisément, mais un petit peu moins de 160 points a priori pour Kushas. On a sans doute Frappe ZC qui termine à ce moment-là, à peu près en même temps que Kushas. KTH qui a bientôt terminé. KTH, ouais, il est sur son dernier générateur. Faut juste pas mourir ici. Prendre son temps pour le tuer et ça va être fini. Et Taker qui est quand même avec Tron, qui va avoir 4 minutes pour finir Laser City. Là, s'il tombe tout juste sur le boss, il pourrait finir théoriquement. Et donc du coup, le gros point de tension maintenant, c'est Draconis. Draconis, on rappelle, il a 620 points, adversaire direct à 596 qui est Frappe ZC et Kushas. C'est tout juste, hein. Du coup, Kushas est peut-être trop loin, malgré sa bonne perf sur Steam World League, je pense que ça va être compliqué. Mais Frappe ZC est vraiment une vraie menace. Mm-hmm. Puisque du coup, au total, Frappe ZC va faire plus de points que Kushas. Du coup, à voir. Il va falloir que Draconis fasse 122, donc 123 points a priori pour gagner, d'après les premiers résultats qui nous sont transmis par les runners eux-mêmes. Donc on a les temps faits par les runners. A priori, 123, ça devrait passer pour Draconis. Il faut juste pas qu'il fasse n'importe quoi sur le boss. Ouais, ça pourrait passer. Mais je pense que... Grosse pression, en tout cas. Il n'a pas envie de se rater. Mais je pense que ça va être très simple. De toute façon, c'est soit ça passe. Si ça passe pas, c'est qu'il est peut-être mort. Donc ça serait vraiment très inquiétant. En tout cas, on a le droit à ce freeze frame final. Le split, c'est dès que la cutscene de fin commence à commencer. Débute comme ça. Chez Kushas, Tifa et Cute Shadow. Allez. Je pense que ça va être la troisième place de Draconis sous nos yeux ébahis. Attention à pas mourir quand même. La vie descend très très vite. Ouais, je pense que Frappe ZC, qui était bon joueur, aurait pu même faire une meilleure performance. Il a dû faire une petite contre-perf. Du coup. Je pense que Draconis, son PB devait être un petit peu moins bon. Draconis, je me rappelle plus, mais effectivement, un PB à 174 points, il était que 14 points derrière le PB de Frappe ZC, et c'est à peu près, en race, il va être à peu près 14 points derrière, quelque chose comme ça. Mm-hmm.
assez possiblement. Allez, Draconis, il va falloir penser à vite finir. On est à 30 minutes. Fin de la phase 2. Il va falloir retravailler le donjon, le boss, hein, monsieur Draconis. C'est un petit peu long. Et malheureusement, il y a énormément de temps à sauver quand on optimise un petit peu ce boss de fin. Malheureusement ou heureusement. Mais en race comme ça, vaut mieux bien maîtriser. Allez. Il a ses 4 PV, ceci dit, ça sécurise pas mal le combat. Mmh. Normalement, à 3 PV, ça se fait bien. C'est juste. Ça sécurise le combat, mais est-ce que ça lui sécurise sa 3ème place? C'est chaud, on a dit qu'il fallait faire 125 points à peu près. Ouais, c'est ça, 123. Donc 123. Du coup, il n'y a plus que 30 secondes. Il faut y aller. Ouais, les points défilent quand même assez vite, un point toutes les 6 secondes. Il reste quand même pas plus le générateur. 24 secondes, ouais, reste plus de que plus secondes. En plus, ça avait l'air. On a dit que c'était tendu, après on s'est dit que ça pouvait passer. Non, mais là par contre, faut vraiment se grouiller. Hein. Il sait pas, hein, il essaye de faire au mieux. Il n'y a plus que 12 secondes. 123, 122, 122, ça ferait égalité. Il y aurait départage au temps sur le début du tournoi. Ça pourrait passer, 6 secondes. Ah, oh, ça va passer. Oh là là, à un point près. 1, 2. Je pense que ça fait 123 sur son timer. Il y avait sur un petit décalage. Ça devrait être bon. On pour la 3ème place. C'est très 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 serré. En tout cas, le dernier, c'était Cœur qui va terminer tranquillement. Pendant qu'il termine, du coup. Je suggère que nous choisissions du coup peut-être une personne Cute Shadow, j'imagine, pour aller souvent sur le Mumble et on l'a pas eu encore, il est deuxième aujourd'hui. Ouais, on va aller chercher du coup Cute Shadow du coup voilà qui se prépare. Donc il est pas loin, il est à portée de main. Et malheureusement, on peut pas aller le voir en personne pour lui demander, mais on peut le déplacer brutalement pour le tirer de sa torpeur. En tout cas, Taker, Frobz, Stifler et KTH ont fini. De l'autre côté, tout le monde avait fini aussi, oui, je crois. Ça, donc c'est fini. Merveilleux, on va pouvoir voir le résultat final de ce tournoi, CDV. Tout à fait. Et ben c'est parti, petite mise à jour. Et nous regardons le tableau tournoi, du coup. Tableau tournoi du coup qui disparaît. Tableau tournoi. Du coup il est là aussi. Ah merde. La backup tableau tournoi. Hop là. Nous y voilà donc du coup Twin, le résultat de cette finale après Steam Holding. Ah là là. Le calcul de tête était mauvais. En tout cas pour la première place, Devil Tifa a 898 points, un run exemplaire sur tous les jeux quasiment. Petite complétion Quake, mais c'était vraiment une très très belle performance. Cute Shadow en deuxième place qui fait 862 points. Il finit tous les jeux dans les temps, 100 points sur Quake, c'était notre meilleure performance. Très très proche de la première place. Après il y a eu un énorme gap de 120 points avec la troisième place pour Frappe ZC, des complétions Metroid, complétion Quake, mais ça aura suffi grâce à son niveau sur les autres jeux. Il remporte l'étoile de bronze en quatrième place, Draconis derrière, 2 points derrière Frappe ZC. C'était très 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 serré, il était à 15 secondes hein, de la troisième place, il était en tête et il s'est un peu effondré sur Steam World Dig et sur Quake en finale. C'était vraiment dur. En cinquième place, Kouchas, 735 points sur le total. C'est vraiment ses 36 points sur Quake et ses 22 points sur Metroid qui le prive de toute chance de podium. Ensuite, KTH, juste derrière, à 726 points, le même genre de parcours. Suivi par Taker à 715, à peu près pareil. Et enfin, Stifler qui a un peu baissé les bras et qui a fait une complétion Steam World League. Stifler qui fait quand même 2 étoiles noires, 1 étoile de papier. Il est assez bas dans le classement étoile parce qu'il a dû sauter à cause de ses vacances, beaucoup de tournois, donc une belle remontée, que des runners sur lesquels nous pouvons compter pour la suite en tout cas. Ouais, c'est très intéressant là. On va attendre que le tournoi soit clos pour du coup voir la mise à jour du classement étoile, mais là on va du coup faire l'interview de Cute Shadow. Ce qui est intéressant sur ce tournoi là, je trouve, c'est que bah du coup on a quand même deux runners qui ont été bien mis en avant, qui s'étaient déjà illustrés mais pas encore suffisamment dans cette saison, à savoir peut-être que Cute Shadow et Frappe ZC. Donc du coup, c'est très intéressant. On va aller chercher Cute Shadow qui est ici. Hop là, téléportation de Cute Shadow que nous avons démuté. Voilà. Bonjour Cute Shadow. Bonjour. Alors, on va augmenter ta voix. Tu n'es pas très très fort. On va essayer de monter tout ça. Je vous laisse faire.
et tu es déjà au maximum. Non, enfin, juste en fait, il doit être très fort chez les gens. Oui, je pense. Voilà. Donc, là, du vous coup, m'entendez mieux. Ouais, tout à fait. Est-ce que t'es content de ta journée, du coup? Ah bah oui, très. C'est bon, à part quelques contre-perfs, mais bon, sur Rayman, je suis pas hyper bien entraîné. Sur d'autres, enfin sur Steam World League non plus. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais sur le reste, je suis vraiment très content. Vu que j'avais consacré du temps sur Quake et sur Metroid, ça m'aurait ennuyé de mourir sur Metroid ou de pas passer sous la barre d'avoir une complétion sur Quake. Donc non, super content. Ouais, t'as fait le seul temps sur Quake, 111 points. Qu'est-ce que tu penses de ta performance et qu'est-ce que tu penses du jeu en général en speedrun? Ah bah, la performance, elle est vraiment pas terrible. 111 points, enfin 23-30, c'est, je peux faire beaucoup mieux. De toute façon, sur Quake, la moindre petite erreur peut coûter vraiment beaucoup de temps. Et là, il y a un skip notamment qui m'a fait perdre une minute que j'ai raté en boucle. Mm-hmm. Faudrait que j'apprenne un meilleur setup, je sais pas, mais enfin, il m'a vraiment posé problème. Et puis, quelques morts, et puis très rapidement, on perd 2, 3, 4 minutes, et puis après, c'est fini, quoi. Alors... Sinon, le jeu, en général, je trouve assez difficile, surtout en race, quoi. J'ai l'impression que c'est l'épisode 3 niveau 2 sur lequel t'as galéré, c'est le skip de la clé, c'est ça? Il y a aussi le niveau, il faut se projeter avec une caisse explosive, j'ai raté le tri. Et alors, il me semble que la backup est super longue, donc je dois attendre, enfin j'ai dû me suicider, sauf que bien sûr, comme j'ai pas le lance-roquette, j'ai pas les trucs qui peuvent me faire de dégâts, bah, j'ai dû attendre qu'un pauvre soldat me tue, et c'était très très long. Alors, petit aparté, c'est vrai, il est rappelé dans le chat, c'est vrai, ce qui a été le plus décisif, un des trucs les plus décisifs dans le tournoi, indirectement, c'était par rapport à Draconis, lui, il lui a manqué 2 secondes pour finir Metroid. Effectivement. Ah oui. Ça lui aurait fait des points. J'ai joué très safe, mais j'ai quand même fait pubi d'une minute, donc bon, j'aurais pu faire une minute de moins, je crois, si j'avais pas sauvegardé, j'ai refilé une fois pour rien, j'ai pris une... C'est bon signe, l'énergie ça. Temps. Je pense que c'est le genre de jeu sur lequel il faut pas viser le pubi en tournoi, honnêtement. Non, bah là, j'ai pas visé, je l'ai fait quand même, mais c'est vrai que... Je préférais jouer safe, je me suis dit une mort sur Dragon ou sur Kred, ça arrive très très vite si on fait pas attention. Alors juste une d'ailleurs sur Crête, j'ai peut-être bien fait sur Crête parce que j'avais 40 points de vie sinon, donc ça va être compliqué. Des questions qu'on pose habituellement aussi aux runners, aux personnes que l'on interview quand même. Est-ce que tu peux nous faire une petite biographie speedrunistique de toi qui speedrun des jeux, toi dans l'UD ces dernières saisons un petit peu, pour que les gens voient les profils des gens qui s'illustrent en tournoi? Moi j'ai commencé speedrun avec l'UD, enfin j'avais commencé tout doucement de quelques jeux, mais bon j'étais pas très très motivé. Et sinon, ouais, bon, bah, j'ai fait l'UD2, l'UD3, enfin, j'ai fait que la moitié parce qu'après j'ai eu des vacances, etc., j'ai pas pu finir. L'UD4, j'ai été jusqu'à la grande finale, j'étais 9e, je crois. Et puis l'UD5, là, bon, c'est assez compliqué. Avec la rentrée en plus, bon, j'ai pas mal de travail qui va venir, je sais pas si j'arriverai jusqu'au bout à faire tous les jeux, etc., mais bon, pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, t'as quand même du coup des temps sur 7 jeux, reste plus que 3 jeux. Quel prochain jeu que tu travailleras si t'as le temps? Il faudrait que je les travaille tous. Je vais apprendre les deux derniers jeux qui me restent, enfin les trois, Cloud Build et Volgar. J'aimerais bien commencer par Volgar, mais bon, tous les jeux, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire, quoi. Par rapport aux autres UD, je me disais, bon, bah, ce jeu-là, c'est bon, je peux le mettre de côté pendant un moment. Là, tous les jeux, je me dis, bon, bah, faut y retourner, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un des UD sans doute qui nécessite le plus d'apprentissage, un des UD les plus difficiles, mais par contre avec beaucoup de jeux que les runners beaucoup disent qu'ils ont beaucoup de jeux qu'ils adorent, mais que c'est vraiment un des UD les plus difficiles, enfin c'est difficile de maîtriser les 10 jeux. Par contre je suis d'accord sur la sélection des jeux, j'adore tous les jeux. Bon, de temps en temps, enfin Rayman, moi, j'ai toujours un peu de mal à me lancer dans la run, pareil pour Hammerwatch, j'ai jamais vraiment envie d'y jouer, mais sinon, les autres jeux c'est un plaisir, quoi. Ils sont vraiment très bien je trouve. Ouais, c'est cool en tout cas. Que dirais-tu à des gens qui voudraient commencer maintenant, en fait, qui sont spectateurs et qui ont peut-être une motivation, une phrase? Faudrait commencer pour essayer, pour voir ce que ça donne sur un ou deux jeux, mais pas essayer de faire tous les jeux. Enfin, déjà commençant l'UD très tôt, ça aurait été compliqué, mais alors là, c'est trop décourageant. Moi, faudrait se laisser porter par les autres, essayer de s'aider, de s'entraider pour voir comment bon, faire un temps, voir ce que ça peut donner, voir si c'est intéressant, mais essayer d'être compétitif à ce moment-là, ça... À moins que sur un jeu ou deux sur le championnat, mais sinon c'est tout quoi, je crois. Ouais, c'est pas évident. Et ben en tout cas, bonne chance. En tout cas, on va voir tout à l'heure la mise à jour du classement étoile. On va moi je suis pas très bien classé là.
Mais bon, première étoile d'argent depuis l'UD2, je suis content. Bravo, ouais, deuxième place, c'était bien mérité. C'est les transitions, les passages de transition comme ça, c'est hyper dur de bien réussir à prendre de nouveaux jeux vite et garder le niveau sur les zones. Donc, moi, c'est ça fait un moment force. Que je m'étais consacré. Bah, moi, je les ai pas appris en une semaine, hein. Ça fait 3 semaines que je suis dessus Metroid, et, pas même plus que Metroid et Quake. Mais sauf que je m'attendais vraiment à ce que tout le monde s'y mette aussi sérieux, enfin comme moi, quoi, qu'ils soient tous prêts pour Quake et Metroid, et visiblement, ils ont pas trop eu le temps. Ça m'a vraiment servi, ça, en finale. Mais c'est ta force aussi un peu d'être régulier, de t'entraîner spécifiquement pour des races. Oui, alors bon, là, j'ai pas toujours le temps de m'entraîner pour les races, mais oui, là, pour ce tournoi-ci, en tout cas, j'étais prêt, ça, c'est sûr. Félicitations. Eh ben, on va pouvoir voir, du coup, normalement, la mise à jour du classement étoile. Normalement, on va pouvoir voir les deux, théoriquement. On va le découvrir ensemble. Si tout s'est bien passé... ouais, c'est bon. On a à gauche l'ancien classement et à droite le classement mis à jour. Si évidemment tout s'est bien. C'est... Et c'est parfait. Du coup, effectivement, il y a eu pas mal de changements. Pas de changements pour les 5 premières places, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Toujours Tifa, large avance, Kusha, Super Lingot, Vlad, Beru Mondo. Molyman, mais Frappe ZC qui marque une sacrée progression, parce qu'il était 11ème, il passe 7ème Twin, et finalement c'est que la confirmation de quelque chose qu'on avait commencé à voir. Il est bien engagé dans cette UD, pas encore certes d'étoile d'or ou d'argent, mais déjà une étoile de bronze là, parce qu'il avait bien anticipé la transition du Pentabé. Donc il continue tranquillement, il est très content en tout cas d'être top 10, dit-il dans le chat, du classement étoile. Mmh. Belle progression, donc forcément qui dit progression dit une petite chute de Slink, ce qui s'est pas illustré aujourd'hui, un Taker qui chute aussi, un Draconis qui est à peu près stable, qui a quand même gagné, mais qui est aux alentours, là il est passé de 9ème ex-aequo à 10ème. Comme KTH, 10ème ex-aequo, ils ont gagné tous les deux une étoile de papier et une étoile de noir. Par contre, Cute Shadow, tu passes 12ème avec ta petite étoile d'argent. Tu étais 16ème égalité avec Psychose, et donc ça te met un bon boost. J'imagine que dans la suite, tu vas continuer à faire les tournois. Ah oui, là, il y en a 2-3, j'étais pas forcément très présent, celui de la semaine dernière, celui de la semaine d'avant, et puis même, j'avais coupé en cours de route, je crois. Parce que comme je m'entraînais beaucoup sur Quake et Metroid, justement, j'étais vraiment pas... j'ai fait complétion ou pas loin, enfin des choses comme ça, quoi. C'était compliqué. Du coup, t'es prêt pour le tournoi de la semaine prochaine, ça sera Quake d'abord en tour d'élimination et en deux sélections, et ensuite Metroid en finale. On a toujours pas créé le tournoi d'ailleurs. Faut qu'on fasse la merde. mais oui, ça fait penser qu'on on le fait demain. Faut qu'on ou ce soir d'ailleurs. Enfin, on va faire ça. On fera sans doute 2 tournois d'un coup comme ça. Vous aurez de la visibilité sur 2 semaines. Mais effectivement, on aura Quake, on aura Super Metroid. Et Volgar n'arrivera que dans 2 semaines. Ça sera le prochain jeu a priori. Déjà. Ah, ça va vite. Hein. Et effectivement, ouais. Mais en tout cas, bravo pour ces étoiles, en tout cas. On remerciera les personnes qui nous ont soutenus la semaine prochaine, puisque là, toutes les pages n'ont pas été ouvertes, il y en avait trop d'ouvertes, donc on fera des remerciements pour les personnes qui nous auraient fait des dons. Vous savez que maintenant, vous pouvez aussi acheter des t-shirts, soit parce que vous les trouvez jolis, soit parce que vous voulez nous soutenir, mais en tout cas, voilà, c'est les t-shirts saisonniers de la 5e saison de l'Ultime Décathlon. Il y a la possibilité de nous faire des dons, comme ça a été dit, la possibilité de s'abonner. On remercie ceux qui sont abonnés. On remercie toute l'équipe, du coup, pour l'administration, pour le site. Sachant que là, chose rigolote, pour les infos, en fait, ça y est, normalement, la liste des remerciements est à jour. Vous allez voir rapidement, du coup, les personnes qui se sont déjà investies à différents niveaux dans la saison. Du coup, hormis nous deux, Prosper, Chamout, Indigest, Vandal, Psycho, Story, Anxess, Crocknock, Giorgino, Nuke, Jason, Zoff pour l'équipe, Steffler, Biwix, LF, Keltris, Vinkaiser, Moonrim, SC, Kana, Naruto, Seb, Clado, le Sablier pour les responsables de jeu. D'autres remerciements, Nemega, Urubas, Rilmiop, Arrest, Tenke, Virus, FrapZC, Krampus Party, Mux, Le Namek, Uber, et également Elgerin, Kouchas, MTK, Ronir, Ryuka, Xorven, Yumike, Zigwigwi. Donc c'est juste, ça permet d'insister. Twin, c'est vrai que la même s'il y a une équipe aux commandes, c'est vraiment un événement communautaire où beaucoup de gens s'impliquent. Ouais, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont dans cet événement, beaucoup de gens qui nous suivent depuis longtemps. On est très contents, évidemment, encore une fois, de vous proposer ces tournois. Et on vous retrouve très bientôt, puisque demain à 15h, tournoi GGC... sur 8 jeux à la suite, ça va être intense, ça va être très beau, ça va être très tendu. Cute Shadow, tu ne participes pas, je crois.
Non, non. Mais c'était pour ça aussi que j'ai gagné, parce que les autres étaient trop dans le dans la préparation de ce tournoi. J'en ai pas parlé, mais je pense que c'est aussi une des raisons. Effectivement. Oui. Mais non, mais je regarderai avec plaisir, par contre. Ah, mais fantastique. Et on se retrouve du coup demain. Et voilà. Et le lien, donc, ce sera à 15h sur cette même chaîne. Et si vous voulez les infos, c'est sur du coup le site de la UDGGC, comme indiqué ici, où on retrouvera 3 jeux de cette saison 5. Des jeux de la saison 4, 3 et 2 et Super Meat Boy de la saison 1 pour faire ce total de 8 jeux. Ça devrait être très très intense, je crois qu'on est sur 5 jeux de plateforme, un FPS, un jeu d'adresse et j'ai parlé tellement vite, et un jeu de course, donc voilà, donc du coup on est encore sur un, normalement c'est assez accessible, mais il y a plein de runners, je crois qu'on a une trentaine d'inscrits pour le tournoi demain. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez participer demain et que vous n'êtes pas inscrit au tournoi, votre participation ne sera pas validée, donc il faut absolument streamer vers le serveur, enregistrer en local, utiliser vos splits pour timer et s'inscrire absolument au tournoi, et évidemment vous réveiller demain avant 15h parce que sinon on ne pourra rien vous faire. On est très content en tout cas de voir ça, bon courage à tout le monde. Merci d'avoir regardé, c'était un petit tournoi fort sympathique, j'étais très content de voir Quake enfin en tournoi. Ah ouais, ça, je suis content. Ah, par contre la prochaine fois les gens, faudra mettre vos petites icônes car Quake ça se suit très très bien, honnêtement je suis agréablement surpris, je m'attendais à ce que ce soit plus dur, mais ça donne un sacré coup de pouce aux spectateurs et à nous-mêmes, soyez sympas. La petite icône, c'est vrai que... Pour les comparaisons, en fait, quand on regarde un seul runner, c'est très bien, c'est très fluide. Mais ensuite, quand on passe de l'un écran à l'autre, c'est quand même très souvent les mêmes environnements, c'est les mêmes fenêtres, c'est les mêmes têtes de mort, c'est les mêmes ennemis partout. Donc, s'il vous plaît, petites icônes partout, ça serait fantastique. Voilà, des bisous à tout le monde, salut.